Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau live de la night, un live de début de week-end si on veut aussi, avec grand plaisir toujours, en espérant que vous ayez passé une bonne semaine, un bon samedi évidemment, et je vais commencer par saluer les premiers arrivants sur le chat, même si je vous préviens j'ai eu 2-3 soucis avec la webcam, donc on n'est pas à l'abri d'un coup de freeze, vous savez comment ça marche sur la chaîne. En tout cas je salue déjà le hors-la-loi, hola à toi, merci d'être là. Voilà, qui reprend ses habitudes de prums. Voilà, c'est un genre de prums, lors la loi. Donc, merci à toi d'être là parmi les premiers. Merci à Saiku qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Les anciens d'Ekvador qui est là. Salut à toi, Bandido. Nous avons Peter Wolfman qui nous rejoint en début de live aussi aujourd'hui. Panda Game qui fait son arrivée sur le chat. Donc, bonsoir à toi en tant que fan de Red Dead Redemption 2. Mister Fool qui nous rejoint. Merci beaucoup à toi, Mister Fool, le gang. Seb Looping. Aussi donc le capitaine de soirée, hein. C'est celui qui conduit, celui qui picole pas. J'espère que t'as pas encore picolé. Et voilà, on a déjà le premier petit freeze. Je vous le disais les gars, je commence à connaître mon matos. En tout cas, je continue en saluant Tragen qui nous rejoint. Bonsoir à toi, le même qui salue tout le monde en arrivant. Silver Saul qui est là, donc merci à Silver Saul d'être là. Silver Saul qui est passé, vous le voyez, modérateur sur le chat du live. Ajoutez-moi si vous voulez, je suis sur PS4, acteur-6 généreux. Pour ceux qui veulent le rejoindre, évidemment, pour livraison, autre activité, ça peut le faire. Kedapin, non, Kepadin, pardon. Kepadin, je vais t'appeler frérot. Bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Qui est arrivé? Hop, j'en ai loupé un. Yeye qui est arrivé, donc bonsoir à Yeye. Bonsoir aussi à Bob Blackor qui nous rejoint. L'équipe s'agrandit, on a quasiment l'équipe au complet là. Il manque 10, mais on n'est pas loin de la totalité de l'équipe de modération. On peut commencer. Ouais, j'avoue, on n'attendait plus que toi, frérot. Et donc, on est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, évidemment. Alors, je suis désolé, hein. Autant la dernière fois, ça a très bien fonctionné au niveau de la webcam, alors que je m'attendais à des problèmes. Là, je m'attendais à des problèmes et j'ai eu des problèmes. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'aime bien montrer ma tronche, mais là, pour le coup, ils nous ont dégoûté un petit peu. Alors, qui est arrivé? Tiponche qui est arrivé, salut Kazu. Paco Real Pixel, bonsoir de l'île de la Réunion. Merci de nous apporter la chaleur, même si je t'avouerai qu'il faisait très très chaud chez moi aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à vous tous. Je vais mettre sur mon écran. Voilà, j'ai mon chat. On est plutôt pas mal. Et en gros, je vous résume une nouvelle fois en quoi va consister cette nouvelle aventure avec notre ami. J'oublie son blaze à chaque fois. Oh là là, Francis Colasson, désolé. Fin de journée, vous avez vu, j'ai baillé en intro, c'est pas pour rien, les gars. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Hop, j'ai pu accumuler 25 lingots d'or. Puisque entre le dernier live, on avait avancé un petit peu, et celui-ci, je me suis rendu compte que j'avais des cartes au trésor. Il y a une chose qu'on n'avait pas faite et que j'ai dû faire hors vidéo, c'était me rendre dans la progression et donc valider les récompenses que j'avais. J'avais quand même quelques récompenses, donc ça m'a permis de grappiller quelques lingots par-ci par-là. Et pour le coup, ça m'a permis d'accumuler assez de lingots pour débloquer mon prochain rôle, ce qu'on va faire en début de live, évidemment. Tragen qui dit « Je suis abonné à la chaîne depuis longtemps, mais je viens jamais sur les lives. » Ben écoute, bienvenue à toi, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Généralement, les lives, c'est plus d'interaction, c'est plus bon enfant, donc voilà, ça m'évite de parler tout seul tout le temps. On a aussi Numa Geronimo qui arrive et qui nous salue. Bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Climax, salut l'ami, bonne soirée à tous. Merci en espérant qu'on passe une bonne soirée, évidemment. Il y a du nouveau sur RDO. Non, il y a des redites avec des petites récompenses bonus, mais rien de folichon. Et Dim qui nous a rejoint, donc voilà, on parlait de Dim, il nous a rejoint dans la foulée, on dirait connecté frérot. Bienvenue à toi, merci d'être avec nous. Bender 2.0 qui est avec nous, salut à toi. Ludmila qui nous rejoint, salut à toi Ludmila. Ludmila qui fait partie du gang, évidemment, vous le voyez sur son blaze. Jean-François Anigno, salut tout le monde, salut à toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon samedi encore une fois. Et je salue aussi Emery qui nous dit, ça dit quoi? Je vous le disais, ça dit qu'on va débloquer un rôle. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. N'hésitez pas à y répondre dès maintenant pour que on évite de perdre du temps lorsqu'on y arrivera. Dans cet épisode, évidemment, on va se faire une traque de criminels légendaires, ça c'est sûr. On va éviter les traques de criminels légendaires qu'on fait trop souvent là. Je joue souvent sur mes acquis. Ce qui serait intéressant, ce serait pourquoi pas de se faire une traque de criminels légendaires qu'on n'a pas encore fait.
Donc pourquoi pas un truc qui me sort un peu des sentiers battus. On va faire quoi? On va se faire quelques petites missions. Pourquoi pas un prix du sang, voilà, un petit crime prix du sang, histoire de se remettre en bouche. Mais surtout, on va déjà aller voir si on peut débloquer le rôle de distillateur. Et souvenez-vous, on s'était rappelé lors du live de la dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière, que il était possible qu'on ne puisse pas débloquer le rôle de distillateur tant que je n'aurais pas débloqué le rôle de marchand. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que on va soit débloquer le rôle de distillateur si on en a la possibilité, soit directement, tu sais, on va y aller cash, soit prendre le rôle de marchand. Et malheureusement, devoir attendre encore de rééconomiser un certain nombre de lingots d'or pour pouvoir débloquer le rôle de distillateur par la suite. Quoi qu'il en soit, on va quand même faire la cinématique du distillateur. Alors, John, Francis est bien habillé, donc je pense que ça peut le faire. Et nous, on va se rendre au niveau de la gare d'Emerald. Et je vais éteindre ça. Je vous avouerai, sans la cam, ça m'arrange parce que je peux éteindre les lumières. Et les lumières, les gars, à la longue, ça te fait transpirer. T'es en chaleur de fou. Donc pour le coup, voilà. Ça dit qu'il faudrait pas oublier de like. Merci Bobby. Non mais moi je faille à mes obligations, j'oublie alors que c'est mon live. Paco Pixel, je vais pas souvent vu le décalage horaire, mais je te suis depuis un très bon moment. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que moi de temps en temps, il m'arrive de checker mes statistiques YouTube et je sais à peu près de quel type de région vous êtes lorsque vous visionnez mes vidéos, lorsque lorsque vous visionnez mes vidéos, etc. Et pour le coup, c'est vrai qu'en réunion, vous êtes pas mal. Voilà, aux Antilles, vous êtes pas mal. Alors, cagnard de fou, et tu m'étonnes. IBCDD, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, frérot. Merci d'être là. On a Cobra Black qui nous rejoint. Bonsoir à toi, Cobra Black. Bah alors, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, si je peux me le permettre. Qui a une petite chaîne YouTube où il partage des gameplays PVP. Normalement, c'est ici qu'on devrait débloquer le truc. Qui partage des gameplays PVP et qui gère vraiment, vraiment pas mal en PVP. Souvent, tu as des bails de revanche à 1 contre 2, 1 contre 3, où il gère vraiment pas mal en PVP. Le mec est. C'est une brute. Voilà. J'aimerais pas le croiser en PVP. À moins qu'il m'invite à boire un verre au salon. C'est encore une autre histoire. Alors, j'en profite aussi pour saluer. Alors, je vais m'arrêter devant la porte. Mais de toute façon, je pense qu'on n'aura rien. Ça se confirme ce qu'on se disait. Daniel Lafleur qui était pas là depuis un moment. Donc, bonsoir à toi, Daniel. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Je salue aussi Young Thug. Alors, je t'appelle Young Thug depuis la semaine dernière. Donc, qui arrive et à qui je souhaite une bonne arrivée. Une bonne installation, j'allais dire. Tu as des Canadiens aussi. Ouais, j'ai des Canadiens. Des Canadiens, alors j'ai France, Belgique, Canada, c'est top 3 toujours. Alors ça peut changer entre le Canada et la Belgique. Ensuite, j'ai un peu le Maghreb et j'ai les Antilles surtout. Voilà, c'est les trucs que j'ai. La Réunion, la plus belle île du monde. Ah, Seb, Seb, Seb. C'est les premiers amours. Ouais, tu nous as délaissé pendant 10 jours sans vidéo. Cause... Yako. Non, j'ai posté des vidéos. Après, vous n'avez pas forcément les notifs, mais je sais qu'en ce moment, c'est un peu la galère. Voilà. Donc on confirme juste, puisque même Yéyé nous dit tu ne peux pas. Tu peux. Absolument pas, car quand tu as le rôle de marchand en rang 5, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le bail, effectivement. Et ça, je l'avais oublié au dernier live. Vous me l'aviez rappelé. Et donc, on a juste confirmé. Ce qui veut dire que nous, on va se rendre au niveau de la cinématique d'introduction au rôle de marchand. C'est déjà ça de gagner. Pourquoi pas? C'est un des rôles que j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, pourquoi pas? Maya Shizura, merci pour ton travail. Merci d'être avec nous déjà pour commencer. Bonsoir à toi. Et une nouvelle fois, merci pour ton retour parce que ça fait plaisir de se voir récompensé par vos petits commentaires et vos petits messages. Donc, ça fait plaisir. Numa Geronimo, non, pas de caméra. J'ai un bug de caméra. Donc, à la frise, je vais te montrer 2 secondes. Voilà. Si vous voulez voir ma tronche en fixe comme ça toute la soirée, pourquoi pas? Mais malheureusement, je peux pas faire grand-chose une fois que le live est lancé. Gizmo64, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Bergerien qui parle de Portugal. Portugal, j'ai pas checké, ça doit être dans, pourquoi pas, le, voilà, dans les 20 premiers. Mais la Suisse, si je dois avoir Kepadine. Québec, je vous disais, ouais, Canada, je pense au Québec, surtout voilà, le côté francophone. Et la Martinique, justement, on en parlait, donc la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, je sais que voilà, vous êtes quelques-uns à me suivre là-bas, et ça fait plaisir, parce que j'aime beaucoup ce côté du monde, cette région du monde. Orlando, Ronaldinho, bonsoir à toi, merci d'être avec nous.
Ted de brique, Nemesis. Moi j'ai tête de brique, Nemesis. Je pensais qu'il était en train de me dire que ne brique. Je pensais que tu étais en train de me dire que tu m'aimais. Alors, c'est vrai que j'ai pas ouvert le truc. Et regardez ce bug qui fait que entre chaque trajet, chaque voyage rapide, chaque mission qui va me sortir de la session, je vais avoir le bandana qui va repoper sur ma tronche et qui me prend un peu la tête. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Alors, les lettres. Lettres de Crips. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, Crips? On va lire ça. Alors, je finis de vous saluer. Bienvenue à toi, Seb Looping. Viens à la maison, tu verras toi-même. J'adore ta positivité dans tes vidéos, nous dit Degvador. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. On essaie. Hein, voilà. C'est pas parce que on souffre des aléas de la vie qu'on va dégoûter les gens qui nous écoutent ou avec qui on va être. Donc, pour le coup, c'est un truc sur lequel je travaille sur moi-même. Et on essaye de. Voilà. Pixels, salut les cowboys en string et claquettes, c'est le moment d'enfiler les strings et les claquettes, je te dis la vérité, on a Friction qui nous rejoint, bonsoir à toi frérot. J'aimerais bien un rôle de braqueur ou en mode où on a trois niveaux de braquage, voilà, les bâtons, ouais, ce serait sympa, ça pourrait être sympa, ça pourrait être développé en plus avec une structure assez fluide, ce serait sympa. Liechtenstein frérot, j'ai appelé Liechtenstein frérot. Merci Cobra, ça fait plaisir. Merci du soutien. Ouais, on est là, on est ensemble, frère, on est ensemble. Quoi qu'il en soit, je vais lire la lettre de Crips. Donc, il nous dit: Bonjour, je dois vous parler de toute urgence d'une proposition commerciale. C'est du sérieux cette fois. C'est du sérieux cette fois, je vous assure. Oubliez mon idée de sel avec latrine, si jamais je vous en avais parlé. J'ai enfin trouvé comment faire fortune. Une activité lucrative et presque légale selon mes principes et qui correspond bien à nos talents. Je ne veux pas trop en dire par écrit, je vous expliquerai quand je vous verrai. Je suis parti en ville pour acheter quelques babioles. Pouvez-vous me retrouver au magasin dès que vous pourrez? Ne tardez pas, car croyez-moi, vous ne voudriez pas laisser passer une occasion pareille avec impatience, Crips. Alors moi, je suis venu directement à Valentine, puisque j'avais débloqué la cinématique à Valentine. Par contre, là, on va juste de la nature et des bêtes, c'est autre chose. La naissance d'une entreprise. Ah, il veut que je me rende à Saint-Denis. Donc, on va faire que des voyages, en fait. Donc, bah, écoutez, on va se rendre à Saint-Denis. Est-ce que j'ai un truc à acheter ici? Non. On va aller. Saïd, Atem, non, pas de nouvelles mises à jour pour le moment. On attend le mois de juillet. Je pense que si on n'a rien au mois de juillet, il sera vraiment temps de boycotter le jeu. Je te dis la vérité. Pour l'instant, non. Voilà, comme d'hab, on a des bonus de récompense, des petits cadeaux par-ci par-là. Un nouveau système de récupération de tenue aussi, on a capté. Mais non, rien de folichon pour quelqu'un qui a fait le tour du jeu. Alors, Saint-Denis. Par contre, on attend tous l'épisode 2 de Kingdom Come. J'avoue, Yako, j'avoue. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le CD pour installer, parce que c'est des jeux que j'ai en version boîte. J'ai sorti le CD pour installer Assassin's Creed Odyssey. Je voulais en faire une vidéo. Et donc là, maintenant que j'ai enregistré ma vidéo, je vais le ressortir. Je vais remettre Kingdom Come. On va faire le deuxième épisode en espérant qu'il vous plaise. Parce que franchement, Kingdom Come, c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Même si vous n'êtes pas fan du Moyen Âge ou de bricoles comme ça, c'est juste un jeu de malade dans la façon dont il a été conçu et les sensations que tu vas pouvoir ressentir en termes de gameplay, d'histoire et d'émotion. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Follow me. Now, like I said in my letter, we are going into business. I've been breaking down animals since I was knee-high to a splinter. And I worked as a tanner up in Wisconsin back Il a remis son bandana, l'enfoiré. So I've got three words for you. Crips Trading Company. Pristine pelts and animal parts for bulk sale. I know the market's there. All I need is a partner. So, I'm thinking... You source the materials, skins, plumes, horns, and the like. I'll clean them and prep them, then you go out and make the sale. Hell, we might even eat well out of this for once, too. Wouldn't that be nice? Why are you still here with us? Alors, je vous laisse profiter de la cinématique, on répondra aux questions juste après. The rest on there, will you? Now, with any opportunity comes risk. Competitors, thieves, me losing interest in the whole idea. But if we combine our talents, we'll be unstoppable. Now, I will require an initial modest investment, of course, startup costs and such like. But you'll recoup that as fast as you can say, Hey, Crips, you handsome genius. So how about it? Are you in? My talents extend. Bon, on n'a pas le choix, hein.
Good. Now, you won't regret this, I promise. Now, I've already got hold of a small wagon and most of what we'll need in terms of initial supplies. If you can grab that and bring it back to camp, we'll get everything set up. This is gonna be fun. Come on. Je suis juste dégoûté puisque dans la, parce que dans la cinématique, j'ai le bandana. Je suis dégoûté parce que dans la cinématique, j'ai ce putain de bandana. Puisque moi, je les enregistre, les, un truc que je n'avais pas fait à la base. Je n'avais pas enregistré les cinématiques d'introduction au rôle ou au nouveau DLC. Et là, je voulais le faire et j'ai le bandana dans la cinématique à cause de leur bug de merde. Désolé, mais j'étais à deux doigts d'éteindre le jeu. Hein. J'étais à deux doigts de relancer le jeu juste pour relancer la cinématique sans le bandana. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est mon temps de farming air dehors. Au revoir les bandits. Bonne soirée, Dekvador. Je sais pas si t'as déjà bougé. Bonne soirée à toi. Bon farm à toi. Firma et Laser qui nous dit salut à tous. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Ça dit très très bien pour moi. En tout cas, j'espère que t'as passé une bonne semaine, un bon samedi. Je vais répondre rapidement, comme ça on va pouvoir enquiller. J'ai vu quelques questions. J'ai fini Elden Ring. Dim, non. J'ai pas joué à Elden Ring depuis que je suis rentré de voyage. La dernière fois que j'ai joué, c'était la veille de mon départ en vacances. Et j'ai toujours pas rejoué. Faudrait que j'y rejoue. C'est vrai que j'ai zappé. Maxime Pinotti qui demande si c'est un nouveau DLC. Non, on est en train de revoir un peu les bases avec un nouveau personnage. Puisque ce n'est pas John Kazman, c'est Francis Corazon. Si vous faites gaffe, il a plus de bidoches. Il a plus de bidoches et il a ses deux yeux. Ouais, il a une cicatrice, mais finalement, il a ses deux yeux. Neon Predator, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous. IBC Lily, tu comptes faire des jeux Dark Picture Anthology? Alors, je t'avouerai, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avant que The Quarry sorte, je l'ai demandé. J'ai demandé à avoir une clé pour, voilà, pour en faire une petite vidéo. Pourquoi pas? Ils me l'ont refusé, les enfoirés. Je ne l'ai pas acheté pour le coup parce que je suis un peu sur la paille en ce moment. Mais j'aime beaucoup ces jeux. Et c'est des jeux que j'ai envie de montrer à ma femme ou à des gens qui ne sont pas forcément à fond dans les jeux vidéo. Parce que je pense que ça peut les intéresser en termes de cinématographie. Mais j'aime beaucoup, moi, ce type de jeu vidéo. XD55, honnêtement, j'essaie de rejouer à RDO, mais je reste jamais longtemps. Moi, c'est le contraire. Je joue rarement, mais quand je lance une session, généralement, je prends quand même du plaisir. C'est le Covid. J'aime bien. Ok, une suite du mode histoire de SO. Alors, tu parles dans le jeu ou tu parles en let's play? Pour le coup. Ah, mais j'ai rendez-vous au Bayou, mais j'aurais pu faire ça en fait depuis tout à l'heure. Pardon, je suis désolé, je pensais qu'on avait rendez-vous à Saint-Denis. Alors, la loi, bonne soirée à toi, merci d'avoir été avec nous, merci du soutien, merci des commentaires. Tu sais que je t'aime bien. Bonne soirée en tout cas, amuse-toi bien. Oh, j'avoue, Kingdom Come. En fait, le jeu est à vitesse réelle. Ah, c'est pas GTA, tu bombardes, tu fais des kilomètres, l'hélico, le truc, le comment ça s'appelle, l'engin que je vais d'ailleurs m'acheter dans pas longtemps parce que je vais en avoir besoin, où ça tire, tu butes 14 gars à la minute, des trucs fous. C'est vraiment... c'est vraiment un jeu à vitesse réelle et pour le coup j'aime beaucoup. Alors monter dans le chariot. Ok, ça marche, excuse-moi. Je l'ai eu quand même. Eh ben oui. Alors, on fait ça en silence, on est à côté de la capitale, on va pas commencer à tirer les keufs. Joueur. Ah, j'aime bien ennemi non-joueur fouillé, c'est ma spécialité. C'est le genre de défi, j'ai pas besoin de me poser la question. Alors. Je redécouvre le rôle, ça fait combien de temps qu'on l'a découvert ce rôle? Ça fait des années maintenant. Brax King, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, frérot. J'espère que t'as passé une bonne journée. Livrer de ravitaillement au camp, ça marche. Red Dead, c'est vraiment un jeu posé. Red Dead, c'est le type de jeu que tu peux... Et Red Dead Redemption 2, plus que Red Dead Online, hein, c'est le type de jeu que tu... où tu peux jouer à vitesse réelle. Moi, quand je dis vitesse réelle, c'est vraiment prendre son temps, avoir un rythme de jeu qui peut se rapprocher d'un rythme de vie normal, réel. Tu vois?
Tout en gardant aussi cet aspect fun, évidemment, tu vois. XD55, il te dit lui, d'abord il fouille, après il l'immole, les gars. C'est le rituel, frérot. Tristam, bonsoir à toi, Tristam. Tristam qui m'a fait plaisir, parce que c'est un ancien de... C'est quoi le jeu, c'est quoi la vidéo que je vous ai sortie, là, encore? De Sea of Thieves. C'est un ancien de Sea of Thieves qui a beaucoup d'heures de jeu. Donc, à l'occasion, si j'ai la possibilité de faire des sessions comme ça en multi, ce serait bien de se faire un petit équipage comme ça. Parce que Sea of Thieves, très 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 bon jeu. Hein. Très très bonne surprise, je vous dis la vérité. Hein. Zangezinozi. Bonsoir à toi. Quel est pour toi le contenu idéal dans Red Dead Online? Pour moi, le contenu idéal dans Red Dead Online... Alors, le contenu qu'on a déjà, pourquoi pas, mais surtout, en fait, des trucs soignés en termes de mise en scène. Moi, je pense que sur un jeu comme Red Dead, tu peux tout faire. À partir du moment où ça reste réaliste et cohérent. Mais je pense que tu peux tout faire et rendre tout ça le plus intéressant possible par de la mise en scène. Par de la cinématique, par du dialogue, par des trucs comme ça qui font que tu as envie de t'investir et tu te sens concerné par les activités qu'on te demande de pratiquer, tu vois. Moi, j'étais là quand tu faisais du GTA, mon Red Dead, je l'ai perdu, jamais rien. Ouais, après, GTA, j'en ai jamais fait beaucoup, mais jusqu'à présent, j'ai fait plus des let's play finalement, plus qu'autre chose. Mais ouais, pour moi, c'est un autre système de jeu. En fait, je joue vraiment pas de la même façon à Red Dead et à GTA Online. Tristan, non, t'inquiète, c'est sincère. Alors, on est loin encore. Ah, mais bon, attends, mon camp, c'est bon, il est près de Rhodes. On est bon. J'ai aussi Sea of Thieves, tu fais très très vite le tour du jeu, nous dit IB, oui. Il y a une... Mais bientôt, il y aura une mage. À ce qui paraît, il y aura une très très bonne mise à jour. Après, Sea of Thieves, je pense que c'est pas le genre de jeu qu'il faut tryhard. Là, c'est le genre de jeu, tu vas y jouer un jour, deux jours, tu vas t'éclater, tu vas te faire des quêtes. Surtout en équipe, tu vas rigoler un petit peu, tu vas faire des batailles navales, des conneries comme ça. Tu vas ranger le jeu... Et tu vas pouvoir y revenir parce qu'en fait le gameplay est super instinctif. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup kiffé dans le jeu. C'est qu'en 5 minutes, t'as tout compris, frère. Le menu, l'inventaire rapide, c'est l'inventaire rapide de Red Dead. Les contrôles sont faciles à prendre en main. Le gameplay est vif. Et donc, je pense que c'est totalement le type de jeu où tu vas jouer un peu. Tu vas le laisser dormir pendant un mois, deux mois, même s'il le faut, tu vois. Et en revenant dessus... Le plaisir va être immédiat parce que bah, tu vas vite reprendre tes marques. Qu'est-ce que tu... Non mais tu fais exprès, tu m'emmerdes, enfoiré. Va là-bas. Il est plus loin celui-là. Donc voilà, très très bon jeu. Et en plus, l'avantage de Sea of Thieves, c'est qu'il n'y a pas de délire de rang dans le sens où... Un joueur qui a 1000 heures de jeu n'aura pas une arme qui va faire plus mal que ton arme à toi lorsque tu découvres le jeu. Tout ce que tu vas pouvoir débloquer, c'est du cosmétique, tu vois. Mais toutes les épées du jeu font le même dégât. Toutes les armes à feu du jeu font les mêmes dégâts. Tous les canons font les mêmes dégâts selon le type de canon, etc. Crips Trading Company is officially up and running. So get out there and do some hunting. Time for us to make our fortune. I need some luxury and repose in my twilight years. If there's a fellow on this green earth that deserves a drink more than me today, I'd like to meet him. Il fait trop l'ancien Crips. Merci. Donc, j'ai débloqué le petit chariot de livraison, le rôle est débloqué, 50 unités de matériaux ajoutées, et juste, on va juste discuter un petit peu, deux secondes, le temps que je salue le Choc James qui est arrivé, que j'ai pas vu arriver, donc je te salue en m'excusant de ne pas avoir capté plus tôt. Un peu comme No Man's Sky, effectivement, c'est le genre de jeu bac à sable où tu es là, tu vas faire beaucoup de farm, tu vas partir à l'aventure, voilà, tu vas faire 2-3 aventures, après tu vas t'arrêter, tu vas revenir, etc. RedWolf580 qui nous rejoint, qui nous dit ça faisait longtemps, effectivement, donc bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Je vais répondre à la question du Assassin's Creed, j'étais passé à côté. Ojibeja qui me demande si je vais bien, je vais très très bien frérot, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Et
ayez un bon week-end et Alizé 974 qui nous passe un coucou des îles de la Réunion. Donc vous êtes plusieurs aujourd'hui sur le chat. Limite, on va organiser une petite réunion entre vous. En tout cas, merci beaucoup de nous ramener un peu de soleil avec vous. Jean-François Anigno, petite question, les amis, à chaque fois que je me connecte, je suis toujours en solo. Est-ce qu'il y a une manip? Il y a des joueurs où c'est l'inverse, ils aimeraient bien être en solo. Ça dépend, en fait, regarde, ça dépend si tu joues sur console ou sur PC, mais en tout cas, si tu joues sur console, essaye de voir tes paramètres de connexion, si tu as des paramètres qui sont bien réglés ou si tu as une connexion qui n'est pas forcément assez élevée, tu vas peut-être te retrouver systématiquement en solo sur tes sessions, donc essaie de voir ça. Et sinon, pour le Assassin's Creed, alors, si on parle du Assassin's Creed de cœur, moi, le premier, c'était de la folie pour moi. C'était la découverte de Assassin's Creed premier du nom. C'est un truc de fou, d'autant plus que je savais que ça allait être une tuerie, vu que je suivais son développement. C'est un des premiers jeux où j'ai suivi son développement, mais genre des mois à l'avance, etc. Je vous rappelle l'année où il est sorti. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas fait Valhalla, donc je peux pas parler. J'ai fait quasiment tous les autres, à part Rogue, je crois. J'aime bien Odyssée. J'aime bien Odyssée parce que j'aime bien la mythologie grecque, voilà, j'aime bien la Grèce antique et tout. Et donc, le fait que ça se passe aussi un peu en Méditerranée, en fait, que ce soit une atmosphère un peu méditerranéenne, voilà, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai voulu le redécouvrir en vidéo, d'ailleurs, ce qu'on va faire. C'est pas vraiment pay to win, c'est juste pour être un pirate, exactement, IB. Et moi, j'aime bien ce type de jeu. Le requin du port, salut, ton avis, la grosse match sera avant juillet. Si elle arrive, ce sera en juillet. De toute façon, il n'y a plus le choix, en espérant qu'elle arrive en juillet, parce que pour le moment, on n'a rien vu. ISDR qui nous dit, salut Kazu, tu vas bien? Je vais très très bien, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu passeras un bon moment avec nous. On a Soupe qui arrive, que je salue, qui nous dit hi, et je te réponds à ton hi, évidemment. Je dis bienvenue. Et Michel-Ange qui nous dit, c'est quoi le nouveau perso? Le nouveau perso de Red Dead Online, c'est monsieur... C'est mes Francisco Corazon, aussi appelé Francisco Corazon, pour le coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le plein. Voilà, je vais faire le plein de babioles, je vais voir ce que j'ai. J'ai peut-être même des cartes au trésor qui traînent, on va savoir. Pourquoi pas. Origin, j'y ai joué très 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 peu. C'est à peu près le même gameplay, le même système de jeu que Odyssey. Odyssée, alors moi c'est plus une question, je pense, d'atmosphère. Tu vois, en fait. Et donc, matériaux abondants. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On a quoi? Des pots d'opossum? Allez, on envoie les pots. On envoie tout, frère. Parce que là, en fait, la grosse difficulté, et dans laquelle je vais me trouver très très vite, ça va être, c'est quoi le troisième rôle que je débloque? Est-ce que je débloque la distillerie? Parce que bah, la distillerie, ça reste quand même un rôle très très rentable qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Et, ou bien, est-ce que je débloque le naturaliste parce que j'ai envie de pouvoir exploiter à fond mon rôle de marchand? Et c'est ça la grosse question. Alors, c'est pas son surnom Coyote. Par contre, par respect pour son ami John Kazman, il va pas tuer de Coyote. Alors. On va faire un petit tour, on va regarder ce que ça raconte. Ah, et bien... non, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien la culture. C'est un grand mot, la culture espagnole. J'aime bien la vibe espagnole. Tu vois, que ce soit Espagne, espagnol, Espagne, ou bien latine. Tu vois, j'aime bien les vibes de latino. Tu vois, comme me disait un pote à moi qui était parti faire des études aux États-Unis à l'époque. Il disait, en fait, en revenant, il m'a dit, j'ai capté, les latinos, c'est les arabes d'Amérique, tu vois. Donc, on s'en proche, tu vois, quelque part. Et moi, j'aime bien les latinos, c'est chaud, la langue, c'est roulé, tu vois, leur langue, elle est, c'est agréable à l'écoute, c'est pas de l'allemand, tu vois. Donc, voilà, j'aime bien. Je trouve que ça apporte un peu de style au personnage, tu vois, Francisco. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Est-ce qu'on a de l'alligator ici? On va checker. On a de l'alligator là-bas. Allez, on va traverser. Allez, on va voir si Regan est courageuse. Avec la distillerie, tu te mets bien. Alors là, je... Arrête de paniquer, frérot. Oh, je suis à fond à gauche.
Voilà. Bon. En attendant de... À défaut d'avoir mieux pour le moment. Il y a juste des rangs sup pour le chasseur de primes prestigieux, ouais. Après, je pense que le chasseur de primes prestigieux, c'est le truc, à mon sens, hein, que tu peux te permettre de débloquer à la fin de chez fin. C'est-à-dire même après naturaliste. J'aurais bien un alligator 3 étoiles. Hein, quand je vous cherche, vous n'êtes pas là, les enfoirés. Hein. Donc j'ai un intérêt à vous fumer. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Là, on a totalement l'intérêt pour le faire. On va placer notre camp dans les Earthlands. On va placer notre camp dans les Earthlands parce que c'est vraiment la zone la plus sympathique lorsqu'on veut farmer un petit peu, chasser tranquillement. Bah écoutez, nous, en attendant, ce qu'on va faire, c'est que... On va se faire une petite prime, histoire de... On va se faire une petite prime, histoire de... Et on reviendra, pourquoi pas, à la chasse un peu plus tard. Tu vas où, frère? Tu vas où, frérot? Tu vas où? Francis? Francis, tu fais quoi, Francis? T'es en roue libre, Francis? Il est parti tout seul. Il est parti tout droit. T'as déjà joué à Overwatch 2, Sofiane? Non. Alors, déjà, bonsoir à toi, mais honnêtement, c'est... Je joue pas en fait aux jeux multi-compétitifs. Voilà, tout simplement. Il va où ce fou? Non mais il va où? Ouais, c'est bon. Je joue pas aux jeux multi-compétitifs parce que déjà je suis nul. J'ai pas une super vue. J'ai jamais exercé mes réflexes. Je vais laisser. Tu sais quoi? Débrouille-toi, frère. J'ai pas les réflexes assez acérés pour gérer en multi. En plus, voilà, je suis mauvais joueur dans ce genre de délire. Et ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la narration dans un jeu. J'ai capté qu'en prenant de l'âge, même les films d'action que je kiffais quand j'étais petit, ben, quand je me suis rendu compte que ça manquait de narration, que ça manquait de mise en scène, ben, je me suis retrouvé à plus les apprécier autant, tu vois. Et je kiffe de plus en plus les séries où ça parle, tu vois. Tu me dis House of Cards, à l'époque, je peux pas regarder ce genre de trucs, moi ça me saoule. Mais... À l'heure d'aujourd'hui, non, voilà, une petite série où ça blabla, que tu mets juste ce qu'il faut d'action quand il faut, tu vois, je veux dire, ça me va très bien. Et donc voilà, c'est pareil dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que vous avez répondu, est-ce que vous avez, oui, vous êtes posé la question que je vous posais, qu'est-ce qu'on va faire comme prime légendaire? Parce qu'on va essayer de faire une prime qu'on n'a pas faite. Donc, Yukon Nick, on met Teco. Eta Doyle, on va mettre de Teco. Et Ben Clemson, on met Teco. Voilà, comme ça. Black Flag, c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé, mais juste pour le délire de bataille navale, de délire de navigation en fait, tu vois. Navigateur. AC a perdu son prime, nous dit ISDR. Bah oui, quand tu veux sortir un épisode tous les ans ou maximum tous les deux ans, t'as pas le temps de t'améliorer et finalement tu tournes en rond et les joueurs le ressentent au bout d'un moment, tu vois. La race de Regan, c'est un Missouri Foxtrotter. T'aimes bien qu'on te raconte des histoires? De ouf, j'aime trop Bender. J'aime trop les histoires. Il en pleut, il en mouille des alligators dans le bayou. J'apprends la langue d'un... Philippe Carlier le fou nous dit Tristam. Non, mais Tristam, c'est le seul qui joue le rôle. Allez, merci frérot. Depuis 1 et 2, tu me conseilles quoi, Kazu? Lequel est le meilleur? Alors, Yako, ce qui est bien avec l'Assassin's Creed, c'est qu'il ne change pas tellement de l'un à l'autre, à part l'époque et l'univers. Donc, prends celui qui correspond le plus aux univers que tu aimes bien. Par exemple, si tu es fan de la série Viking, tu vas jouer à Valhalla, frère, tu vas te régaler. Alors là, si comme moi, tu aimes bien ces délires un peu ensoleillés, méditerranéens, etc., tu vas prendre Odyssée, tu vois. Si t'aimes bien l'Égypte antique et... Alors, moi, je pense que Origin, en termes d'époque, en termes même d'ambiance mythologique de ce genre-là, on est quand même assez proche de la source du premier.
Tu vois, vraiment. Je pense, hein. Alors, ça reste mon point de vue. Donc, pour le coup, c'est vraiment... voilà, attendez. Un bon die-hard. Mais, Kepadin, die-hard, ça raconte beaucoup de choses. Die-hard, c'est un film, c'est le film d'action par excellence, mais c'est pas pour rien que die-hard, le premier, hein, a inspiré les milliers de films qui sont sortis derrière pendant toute la décennie 90. Ça raconte beaucoup de choses par la mise en scène, par le traitement de personnages. Moi, je surkiffe, ça c'est encore un de mes films d'action préférés, moi, Die Hard. Pièce de cristal. Tu vois? Ah, on va la garder. Est-ce qu'il a le bandana? Non, je vais la garder, la cinématique. On va la mettre sur Instagram. Je vais la mettre sur Instagram avec la légende « Le secret d'un bon début de soirée ». Tu penses qu'il y a moyen qu'ils sortent là? Ubisoft est capable de tout. Ils sont capables de tout, frère. Je te jure. Red Wolf, je la connaissais, mais c'était qu'une meuf. Oh frère, tu dois faire des soirées avec Philippe Carrier. Tu dors 3 jours. What the fuck? Alors le secret sur cette phase... Putain, le cheval est tout petit. Le secret sur cette phase, c'est... Arrête de faire le mariole. C'est d'équiper... Il est où l'enfoiré? C'est d'équiper une arme de poing et attendre qu'il s'approche pour... Aïe. Ah, je me suis trompé de bouton. Le mec, il veut donner des conseils. J'ai appuyé sur L1 au lieu d'appuyer sur R1 en fait. Donc je disais, on reprend comme si rien ne s'était passé. Voilà, tu le cibles. Voilà, et tu le tapes. Pour peu qu'il esquive, faut que tu maintiennes ton L2 et... Voilà. Et tu l'esquives à ton tour. Voilà. Et là, il veut plus esquiver l'enfoiré. En tout cas, si tu esquives, ouais, tu maintiens L2, tu mets ton petit carré, etc. Le lasso, tu le charges. Mais là, je peux pas le charger, je suis pas encore en phase... Il est où? Aïe! Parce que là j'ai pas la possibilité de courir avec le lasso. Tu penses que j'aurai la possibilité de courir? Attends, je vais y attendre. Enfoiré! Mais sors le couteau! Il fait nimp, hein. Entre moi et qui fait nimp et lui qui fait nimp. Attends, je vais essayer une fois. Mais c'est quoi cette technique de diable? Ok. Bien vu, merci. C'est qui me l'a donné la technique? Nova, entre deux primes légendaires, je crois que t'as une petite demi-heure, il me semble. Normalement, c'est indiqué en bas du tableau, si je dis pas de bêtises. Ok, ça va aller mieux. Ah, la technique du lasso, honnêtement, rien à dire, c'est quelque chose. Je la retenterai. Tu dors un mois, il a dit Tristan. J'avoue, je la connaissais pas, cette technique. Moi, je me souviens des premières fois où... sort ton couteau à beurre. Je me souviens de la première fois où j'ai tenté de lui tirer dessus. J'ai galéré. Et je me suis dit, écoute, il a une arme blanche. Je vais sortir une arme blanche. J'ai vu que ça fonctionnait. Je te dis la vérité, j'ai pas cherché plus loin. C'est quoi ça là-bas? Ouais, ça y est, je vous ai dit, là, on est devenu marchand. Là, on est trader, on a besoin de... Ah oui, c'est ça. Ok.
Mince, pardon. Et donc vous disiez, nanana, ton couteau à beurre. Ah, ok, c'est bon. Mais, ah, je suis en train de regarder le chat. Ah, ça m'apprendra, j'aurais dû faire une sieste. Je fais n'importe. Vous m'excuserez, ce n'est pas dans mes habitudes. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que on va plutôt prendre. Attends, ce qu'on va faire, c'est que par là, c'est. On va passer par là. On va passer par là, ça va être mieux. Ouais, là, en filoucelli. Alors, normalement, ce niveau de difficulté, ça devrait aller. Normalement ici. On va faire ça. Vous l'avez vu l'alligator qui veut ma peau? Alors on va se barrer. Vous avez vu l'alligator qui veut ma peau, l'enfoiré? Pixies, il me semble pas. À moins que j'ai pas une mémoire de fou, mais il me semble pas. Non, mais imagine-toi. Je vais vous donner un exemple tout con. Imaginez-vous période d'Halloween, t'arrives comme ça, t'as un alligator, il te spot, frère. Ça, il veut juste toi, mais genre, il est immortel. Tu peux aller où tu veux sur ta session, il peut aller à l'autre. Tu vois, voyage rapide, il va te suivre, il va te rejoindre. Tu sais que tout ce que tu vas faire pendant ta session, t'es pas tranquille et l'alligator, il est imbutable. Ce serait pas juste magnifique, toi, le temps d'un week-end, une connerie comme ça. Parce qu'il a faim. Hein. Genre, lui, c'est pas un alligator, il est là, tu t'es approché. Et il en fait une histoire personnelle. Une affaire personnelle, pardon. Ah. Merci beaucoup, Bob. Je mets à jour ma nouvelle carte. Fais comme si de rien n'était. Merci beaucoup, Bobby. Merci beaucoup, frérot. Fallait pas. Merci, la classe. J'aime bien parce qu'il y a toujours le commentaire qui va avec. Merci, frérot. Mais fallait pas t'embêter, mais c'est vraiment, vraiment gentil. En tout cas, ouais, je vous disais, voilà, tu vois, un petit délire un peu surnaturel comme ça, le temps de, ça fait, tu sais, ça crée un peu de tension, tu vois. Et moi, je pense que ça pourrait le faire. On va faire comme ça. Hervé D'Angelo qui passe. Bonsoir à toi, merci de nous avoir rejoint, frérot. Merci d'être avec nous. La semaine avant Halloween, je me suis fait spawn kill par une panthère près de la grâce. Super jumpscare. Ah, Farley Calor, mais c'est pas magnifique. C'est pas magnifique ce genre de sensation. Moi, je surkiffe, moi, quand un jeu a les cojones de te mettre dans ce type de situation. Vraiment. Hein. Genre de zombie ou c'est quoi le bail? Toujours au top, mon Bob, je confirme. La classe, frère.
Ibi, je préfère les lives sur Twitch ou sur YouTube. Alors, une fois, en fait, une fois que t'es lancé, tu vois, une fois que le live est lancé, on est là, on discute et tout, ça fait plus trop de différence. Mais selon le type de live, maintenant, il m'est arrivé de faire des directs sur YouTube où on était plus d'une centaine. C'est gratifiant de malade. Y a rien à dire, on est plein, ça discute, ça discute avec moi, ça discute entre vous et tout. Je kiffe, mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre la distance. Tu vois? Ah merde, j'ai buté. Putain, je suis en train de parler. Allez, écoute. Ça t'apprendra à faire le mariole. Enfoiré. Donc j'ai du mal à suivre la distance et c'est moins agréable parce que vraiment, je suis là, j'essaye de prendre plusieurs idées en même temps. Donc je me retrouve à bafouiller et tout, tu vois. Alors sur Twitch, généralement on est quoi? On est vingtaine, trentaine, quarantaine, tu vois. C'est beaucoup plus confortable pour échanger en vérité, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content? Alors, vous en voulez encore? On va arrêter de rigoler. Alors, je sais pas si vous avez capté, mais je prends toujours mon temps pour les tracks de criminels légendaires parce que hors bonus de récompense, ça rapporte pas des masses. Donc, si je peux gratter quelques scènes sans plus, mais bon, allez, on se bat. Tristam, merci beaucoup, fallait pas, vous embêtez pas les gars, vous tirez pas la bourre, vraiment. Merci beaucoup Tristam, super cool, la vérité, super cool. Vous avez retenu quand j'ai dit que j'avais des fins de mois difficiles? C'est comment? Moi ma carte est à jour, mais j'en profite pour te dire merci pour tout ce que tu fais, pour ton investissement sur la chaîne. Merci à vous, la classe, non merci, merci à toi, vraiment. Vraiment, vous embêtez pas les frères, vraiment. Et j'ai même pas vu FlitchTube arriver, donc FlitchTube, bonsoir à toi, merci de nous avoir rejoint. J'étais à l'apéro, sorry, tu m'étonnes, frérot. Merci Tristan, merci encore. Véritablement. Alors, je vous ai dit, c'est un peu la galère parce que je suis parti en voyage. Voilà, ça engendre des frais, etc. On est sur la fin de l'année scolaire. Pour ceux qui travaillent dans le social, dans le socio-éducatif ou dans l'éducation, tout simplement. Alors, vous saurez que c'est voilà, le mois de juin, juillet, c'est là où tu fais tes bilans. Où tu dois t'organiser pour la prochaine saison, etc. C'est des trucs où tu travailles un peu plus, mais tu touches pas forcément plus, tu vois. Et donc, voilà, ça explique mon accumulation de fatigue et surtout, voilà, le fait qu'il fasse beau, sortir, aller au ciné. Je suis allé au ciné avec ma femme, ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas allé au ciné. Je suis allé au ciné avec ma femme hier, ça m'a coûté 26 balles, sans les friandises, hein, je parle des places. Et c'est pas genre 3D ou c'était un film simple. Donc pour le coup, voilà. Mais ça va, on a de l'argent de côté, on est bien, on est bien. Achète The Carry maintenant, je te jure. Mais je vais regarder, je vais leur demander encore, je leur envoie une petite embuscade. Vas-y, faites croquer le truc, faites croquer la clé, s'ils veulent pas, au pire je l'achèterai. T'as regardé Top Gun Maverick? Non, j'ai regardé... Ah, moi, je suis nostalgique. Moi, tu m'as dit, il y a Grant dans Jurassic World 3. Je suis allé. Yeah. Ça va, les copains. Exactement. Bah, on est d'accord, Pixies. Et même dans la vibe actuelle, ben, c'était 47$, mais c'est niveau 1. Même dans la vibe actuelle, je pense que ça reste un plaisir et je pense que c'est même une obligation si tu veux continuer à prendre plaisir sur le jeu que de le prendre à son rythme, tu vois. On est mou en termes de trucs, c'est moi. On est ultra mou, qu'est-ce qu'on peut débloquer ici? Flèche de track, j'en ai jamais rien à cirer. Variante, on s'en fiche complètement. Thème de camp, on s'en fout. Anneau sombre, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être les bolas déjà et le chariot de chasseur de primes. Alors, la priorité, ça va être ces bails-là. Ah, la deg, elle est bien, la petite dégradée, c'est vrai. Hein. La petite deg du chasseur de primes, pourquoi pas la débloquer? Mais de toute façon, on s'en fout parce que Francis, c'est pas un beau gosse, il en a rien à cirer. C'est John le beau gosse.
Le cinéma, ça commence à être abusé. J'avoue, c'est abusé. John Marston 57, bonsoir à toi, frérot, merci d'être avec nous. Necrosium, les prix, même pour tout, ouais, bah oui. Pouvoir d'achat qui baisse, les prix qui augmentent. Bah, on va pas refaire la politique ici, mais c'est la vie que je vais faire au bout d'un moment. Après, j'ai capté que pour les gens en situation précaire, ils ressentent moins ces différences, ces problèmes, tu vois. C'est à cause des salaires hollywoodiens. Non, mais là, en fait, ils sont en train de se venger à cause du Covid. Ils ont une perte sèche, enfin une perte sèche, non, mais un manque à gagner, de ouf. Donc, automatiquement, ils sont obligés d'essayer de récupérer, tu vois. C'est ce qu'on va faire. On va aller à notre nouveau camp. Au niveau des Heartland, on va voir ce que ça raconte. Voilà. On va faire un peu de marchand. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de marchand. Faire un peu de marchand. On va faire le. On va faire les novices. On a oublié comment ça fonctionnait. Mon cheval, c'est un Missouri Fox Trotter. Si je dis pas, on va, oh, je vais quand même confirmer. Je voudrais pas dire de conneries. J'ai été déçu de Jurassic World 3. Alors, moi, c'est passé en deux temps. Première phase, où, ah ouais, encore un nouveau Jurassic World. Voilà, j'avais bien aimé le premier, le deuxième, sans plus, tu vois. Et je me suis dit, bon, nouveau Jurassic World, je m'en fous. Et je tombe sur. Alors, je suis abonné à la chaîne Capture Mag, je sais pas si vous connaissez. Je suis abonné à la chaîne de Capture Mag et j'aime bien, de temps en temps, ils font font la critique hebdomadaire de la sortie de la semaine, tu vois, en gros. La sortie du moment. Et donc, je mate le truc. Et ils ont descendu le film d'une force. Mais je me suis dit, ah, il est pourri à ce point. C'est comment? Donc, je savais déjà de toute façon que je n'allais pas le regarder. Sauf que finalement, je suis sorti me promener avec ma femme hier. Et comme il faisait chaud, on est passé devant un ciné. Je dis, écoute, on va se regarder un film. Par hasard, le seul film qui avait une séance sur le moment où j'y étais, c'était celui-là. En plus, il était en VF, tu vois. Donc, je dis, écoute, on y va. On est rentré. Et au final, donc phase 2, j'ai bien kiffé. Voilà. Alors moi, un peu de fan service, ça me fait pas mal. Hein. Moi, je suis pas le mec qui va dire, ah, ils ont, ouais, c'est du fan service. Et non, c'est le fan service, c'est bien fait, ça me va. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe avec des animaux en une étoile? Vous foutez de la gueule du monde, les gars. Respectez-nous, bordel. Respectez-nous, bordel. Je fais quoi? Je vais au niveau du lac. Parce que là, ils m'ont pas mis non plus au meilleur endroit. Écoutez, on va aller vers là-bas. On va se faire une séquence ASMR. En fait, moi, John Marston, moi, Top Gun, j'avais du mal avec Tom Cruise à l'époque où Top Gun est sorti. Et même Top Gun, je sais pas, il y en a eu combien? Je crois qu'il y en a eu juste un, en fait. Je l'ai jamais regardé. Je me souviens, le centre que je fréquentais les mercredis après, mais toutes les fois, il nous faisait des petites séances ciné. Et il nous l'avait mis un jour. Je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé le début. Je sais pas, ça, j'ai pas accroché, j'ai bougé. Tu vois? Mais il semblerait que le Maverick, là, le Top Gun Maverick, ce soit un très bon film. Ouais. Ils ont respecté la truc de base, etc. Necrosium. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Loin de moi l'idée de vouloir me faire de la pub. Mais j'ai fait une vidéo où je recense le prix des animaux et tout. Et où je donnais même le top 3 des animaux légendaires à chasser pour être le plus rentable. Alors, tout simplement, les animaux les plus dangereux vont rapporter beaucoup. Les alligators, ça rapporte pas mal. On parle d'animaux de base. Les alligators, ça rapporte pas mal, il me semble. Par contre, si tu veux un vrai truc, il va te falloir. Il va te falloir du cougar. Non, mais vous êtes sérieux, bordel? Vous êtes sérieux? Il va te falloir du cougar, de la panthère et tout, des trucs comme ça. Pour le coup. Et c'est vrai que j'ai plus forcément les animaux en tête, mais voilà, je sais qu'il y avait ce petit rapport de dangerosité. Pardon. Un grizzly, ça rapporte pas mal. Un loup, ça rapporte pas mal, tu vois. Mais derrière, pour être vraiment rentable, on va le répéter une nouvelle fois, mais pour être vraiment rentable avec le marchand,
Il faut le naturaliste. Il n'y a pas photo. Mais non, mais c'est abusé. C'est abusé, les gars. Et heureusement que les bisons traînent en troupeau, hein. Désolé. Surtout les bisons, je sais pas pourquoi j'ai de la peine quand je les tue. Je suis désolé, mon ami. Je fais une prière pour toi. L'ours doré, oui, l'ours doré, effectivement. Après, la mission est longue. Le bison paeta, c'est le plus rentable, de loin. Tu vois, dans le top 3, alors c'est pas forcément ceux qui rapportent le plus, mais ceux qui sont les plus rentables en termes de rapidité d'exécution de leur mission. Parce que malheureusement, l'ours légendaire, c'est une galère, ces missions. Sur toutes les variantes de missions que j'ai faites pour l'ours, je te dis la vérité, c'est des galères parce qu'elles sont longues. T'as je sais pas combien d'indices à choper, il y a ci, il y a ça, même la séquence du combat, il t'envoie 4-5 grizzlies sur les côtes. C'est long. Le bison paeta, frère, c'est de l'amusement. Alors, je vais essayer un truc, c'est un truc qui fonctionnait à l'époque. Alors, je vais mettre plutôt comme ça. Je vais mettre comme ça. Vous voyez que mon camp est là. Moi, j'aimerais bien que mon camp soit par là. Tu vois, donc je me suis mis dans cette zone et je vais dépoper et repoper mon camp pour voir s'il y a moyen de le faire s'approcher. Par exemple, je vais le faire partir dans le bayou. Ça ne change rien. Je suis à quel niveau avec ce personnage? Niveau 36 affiché. Aibi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Désolé, je ne suis pas trop sur le chat. Je te souhaite une bonne soirée et un bon week-end et évidemment à bientôt. Je l'espère. Merci d'avoir été avec nous. Le gigantosaure n'était pas vraiment impressionnant. C'est pas comme le spinosaure de Jurassic Park 3 qui faisait vraiment peur. Oui, mais après ça devient redondant. Ça devient redondant. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai été déçu par le combat final. Là, t'as toujours un combat final maintenant dans les Jurassic Park et tout. Ben, le combat final, ouais. Ah. C'est du déjà vu en fait. Non mais il n'y a que du 2 étoiles, c'est abusé. Il n'y a que du 2 étoiles en fait. Tu sais, mais c'est merdique, hein. C'est merdique, j'ai pas buté de coyote, je disais. D'un sauvage. Mais écoute, on va rentrer au camp. Goodspeed m'a donné son astuce. Je tue tous les oiseaux dans le bayou. En moyenne, 1$ par plume et 30 plumes par oiseau. Un aller-retour crips et plein. Ça peut être une astuce hors animaux légendaires. J'avoue, tu sais quoi? On sait ce qu'on va faire sur le champ. En plus, les plumes, tu peux les garder sur toi, tu vois. Écoutez, j'aime bien. Si vous avez des astuces de marchand, c'est le moment où on va se partager nos astuces de marchand. Parce que là, je recommence, je suis novice. On a plus les bases. Comme dirait l'autre. T'as pas les codes, yes, sahbé. Ah, faut reconnaître. Je suis pas bon en imitation. Alors. Félix, sinon, c'est pour quand le online libre, sans rôle obligatoire? Je pense que pour ça, faut plus s'orienter vers une version PC avec justement le RP qui est vraiment géré à son maximum avec certaines communautés qui font ça bien. Sinon, KFP qui me dit, tu joues pas sur PC, t'arrives à t'occuper sur Red Dead Online. J'ai peur de jouer solo et m'ennuyer. Bob, on va faire ça. C'est quoi? J'espère qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Voilà, Bob, tu mérites... Tu mérites que j'accède à tes requêtes. Alors, ça c'est un débat qu'on a super régulièrement. Red Dead, c'est un jeu qui actuellement, lorsqu'on a fait le tour de tout le contenu existant, ben, est redondant, sur lequel on va tourner en rond. Et pas qu'un peu, faut être honnête. Donc, évidemment,
t'as besoin de changer les idées, voilà, que tu aies du nouveau contenu en fait pour raviver la flamme. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas et donc de plus en plus de joueurs désertent. Il y a deux alternatives. Il y a l'alternative pour les joueurs console où ben, tu vas essayer de t'auto-trouver des quêtes, tu vois, vraiment, de trouver des activités ou de trouver un rythme de jeu qui va te permettre de prendre du plaisir sans avoir de véritables nouveautés à découvrir sur le jeu. Ou tu as l'alternative des joueurs PC, où tu as des mods, des trucs de fou, donc surtout sur Red Dead Redemption 2, où tu vas pouvoir te recréer une aventure avec des mods qui vont te rajouter plein de paramètres, etc. Et qui vont te rapporter évidemment cette nouveauté que les développeurs n'intègrent pas au jeu, tu vois. Et le truc, c'est que je crois que j'ai désinstallé Red Dead 2 sur PC à quelques jours parce que j'avais besoin de faire de la place sur mon PC. Malheureusement. On va aller à la grâce. On va partir de la grâce. Orlando, Ronaldinho, je sais pas, toi qui disais. Ah, John qui partait. John, bonne soirée à toi. Merci d'avoir été avec nous. Désolé, j'étais concentré moi dans mon monologue, tu vois. Il y a des modes pour l'online. Alors, Félix, c'est compliqué parce qu'un mode pour le online, ça sous-entend souvent. Un mode d'aide aux joueurs et donc considéré comme de la triche. Hop, c'est quand on va se rendre ici. Et donc ce qui peut être considéré comme de la triche, ce qui veut dire que les vrais modes que Rockstar tolère et qui pour le coup donnent du plaisir, ça va être les modes sur le solo. Ça parle de Red Dead Online, Red Dead 2, des versions PC, des mods, des bricoles comme ça. Plaisir de jeu surtout. D'ailleurs, avec des beaux gosses qui gèrent le Discord, je confirme. De ouf. Tristan, ouais, le portage. Ça va le faire. Ça va le faire lorsqu'il sera là. J'imagine qu'ils vont encore essayer d'affiner certains paramètres, etc. Tu sors d'où ce cheval? Mais ils me l'ont fait la dernière fois. Non mais reviens. Mais j'en ai pas fini avec toi, frérot. Viens ici. Mais viens ici. En plus, là, ils sont plus considérés comme des ennemis. Je fais comme si je tuais un zombie. D'ailleurs, c'est qui les beaux gosses qui gèrent le Discord? Ah, pardon, j'ai pas tilté. Alors actuellement je pourrais plus te dire, mais alors c'est qui gère le Discord en ce moment? Ah, tu me prends au dépourvu, je suis en train de jouer. Là actuellement, alors je sais que j'ai eu une notif de Discord qui me disait que ce matin il y avait 70 membres actifs en même temps. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas moi. Mais Seb, tu vois, par exemple, Looping, il est plus mêlé que moi sur le Discord. Il a plus cette. Il a plus cette fibre communicative. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ah, on lâche rien. Ah, celle-là va être belle gosse, celle-là. Alors, on dépasse.
Alors j'ai zappé un peu de votre conversation. J'ai zappé un peu de votre conversation. Je sais que Lies Benani nous a rejoint, donc je te souhaite la bienvenue. Mais pour le reste, j'ai pas suivi de le truc à l'arrache et tout, le bail de Bob et de Looping. Mince, ah, non, 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 j'aurais pas dû lui, j'aurais dû le prendre en entier. Évidemment. C'est qu'on va la patte. Non mais l'air de rien, Looping, il est sur tous les fronts. Il est là sur Discord, il est là sur sur le la, sur YouTube, il est là sur Twitch, je suis sur Twitch. Il est là sur le PSN. Non, non, il est au top. C'est pas pour rien que je l'appelle capitaine. C'est quoi le max de joueurs par session? 30. Oui, Fadi, ouais, effectivement, je sais que Fadi a fait beaucoup, beaucoup pour le Discord au début. Je sais que Wolfman est encore actif dessus, pardon. Itami, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Oh, Flishti, t'as pas compris en fait. Moi, je suis un homme de paille, c'est pas moi qui tire les ficelles sur la chaîne, sur la côté. Ah, je suis comme un politique, moi. Je les en dirais, on aime bien sa tronche, on va mettre sa tronche, mais c'est pas moi qui donne qui donne les directives. Les canards, on s'en fiche. On va se faire quelques oiseaux. Lukna, bonsoir à toi. Je vais très bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end. Et j'en profite pour saluer Virako Gaming qui nous a rejoint aussi. Alors Lukna, tu tombes bien parce que grâce à toi, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur YouTube que je n'ai pas encore utilisée. J'ai vu que tu mettais beaucoup de sondages sur ta chaîne en ce moment. Et j'ai capté que tu as intégré des images sur les possibilités de choix. Enfin, sur les possibilités de choix, putain. Sur les choix de réponse. Et donc, je savais pas que ça fonctionnait. Pour le coup, c'est grâce à toi que j'ai découvert le truc. On dirait pas qu'il volait sur place. On n'aurait pas dit qu'il volait sur place, le rat. Alors, les gars, vu comme on est parti. Ah mince, non. Ah, j'ai plus pied ici. Non. Petit héron. Ne m'abandonne pas, petit héron! Non, il va couler, l'enfoiré! Petit héron, non! Mais je peux le prendre, là! Arrête de faire le con! Ah, c'est dommage. Quand c'est intéressant. Ah, je sais pas. J'ai pas fait de sondage depuis, en fait, c'est pour ça. C'est comment? Ok, bon, bah, ok, que je mette les blazes en concordance. Comment tu fais pour créer un groupe et inviter des amis? Alors, pour créer un groupe, tout simple, tu fais flèche de gauche. Tu vas dans groupe. Tu vas dans groupe. Et tu mets créer un groupe en bas à droite avec carré, par exemple, sur PlayStation. Donc, tu vas créer ton groupe, etc. Et après, tu peux. Bah, alors, moi, j'ai pas de groupe. Donc, écoute, on va faire ça ensemble. Tu vas créer ton groupe. Va dire temporaire ou permanent. Sachant que permanent, c'est. Temporaire, c'est gratuit. Permanent, c'est payant. Mais derrière, tu vas avoir des avantages puisque ça va te permettre d'intégrer plus de joueurs simultanément dans ton groupe, etc. Et voilà, tu regardes un peu. C'est pas super compliqué en vérité. Alors. Tonton du Hood. Tonton du Hood, j'aime trop ces blazes, frérot. Bienvenue à toi, merci d'être avec nous. Il fait tellement chaud que je suis au petit gâteau et au lait. Je suis sorti avec mon neveu. Mon neveu qui a 2 ans, hein, je l'ai sorti. Il y avait une fête de quartier au niveau de mon ancien boulot. Je vous disais que j'ai arrêté mon emploi. Je suis auto-entrepreneur en fait depuis cette année. Et je suis allé voir mes anciens collègues là cette semaine. Ils m'ont dit, ah, ben, on a la fête du quartier à la fin d'année.
côté, je vais passer. Et comme c'est un truc pour enfants, j'ai pris mon neveu avec. Il a amené un truc. Et mes collègues, elles s'occupent de. Tu sais comment c'est, mes anciennes collègues, elles s'occupent de lui. Tu veux une glace? Tu veux ça? Non! Et il me dit, je veux un donut. Il a 2 piges, le petit. Il me dit, un donut. Et au début, je me dis, quoi? Tu veux des lunettes? Je dis, non, donut. Déjà, j'ai mis 2 minutes à comprendre ce qu'il voulait. Il me dit, un donut. Je dis, tu sais quoi? En partant, je te donne un donut. Je vais t'acheter un donut. Et lâche pas l'affaire, ma collègue. Tu veux boire quelque chose? Tu veux un Mister Freeze? Elle lui dit, elle est trop chou, ma collègue, en plus. Et dit, un donut, tu veux un donut? Et t'es déter dans son donut. Et en rentrant, je dis, là, on va partir. Et avant de rentrer à la maison, on va chercher un donut. J'arrive devant le magasin. J'arrive devant le magasin, il est endormi. Ramusqué aussi, ça vaut pas mal en termes d'animal facile à porter. Et finalement, bon, je l'ai pris avec moi dans les bras, on allait faire les courses, on est rentré. Et pareil, on a mangé des donuts au chocolat avec du lait froid. Et je bois pas trop de lait, hein, mais ça m'a fait un bien fou, je vous le dis. Un bon verre de lait frais comme ça de temps en temps. Tonton du Hood, ah, ça fait longtemps. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée, frérot. Paco, ah oui, j'imaginais que le décalage horaire. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, amigo. À très très bientôt, j'espère. Qui veut faire un barbecue? J'ai fait un barbecue dimanche dernier, ça m'a fait du bien aussi. Mais trop d'insectes, ça rend fou. Les répulsifs fonctionnent pas chez moi. Noah, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Un nouveau perso est arrivé. Non, c'est Francis, c'est le nouveau perso que j'ai créé il y a quelques mois de cela, mais avec lequel je joue quasi exclusivement. En tout cas, je progresse quasi exclusivement en live. Pour le coup. Et donc, vu qu'on n'a pas débloqué encore beaucoup de rôles, alors, eux, c'est intéressant. Voilà. Eux, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les petits alligators valent le même prix que les gros alligators. Sachant que la peau de gros alligator prend un emplacement complet, donc prend l'emplacement complet sur le dos de ton cheval, alors que la peau du petit alligator va prendre la place d'une peau comme une peau de biche, sachant que ça coûte. Ça se vend aussi bien en termes de ressources, ça se distribue aussi bien, tu vois. 37, 38, ouais, c'est ça. C'était la folie, frérot. Je savais que l'histoire, c'était plus tard. Hein? J'ai pas suivi Bob. Je suis dans le gaz, frérot. Mirou, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. I am Jadafleet? Jafleet. On dirait un nom de rappeur, frérot. Petit barbecue au quartier, la vérité, ça passe bien. Surtout quand c'est improvisé, toi tu rentres chez toi, t'allais faire des courses, tu sens une odeur de merguez. Tu sens une petite odeur de gazmer. C'est où? Tu vois un peu de fumée? Ah, c'est là-bas, qu'est-ce qui se passe, frère? Ah, un petit barbecue. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un qui prend l'initiative, il va à la boucherie, il prend des bricoles, etc. Luclin dit le prix des pots. Oui, il y a ce petit. Ça, c'est un truc parce que je traînais ici. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque avec John Kazman. Moi, je passais ma vie ici. Mon camp, il était là. Mon camp de marchand, il était ici. Je me rappelle au tout début lorsque j'ai enclenché la cinématique et tout. Et donc, je chassais beaucoup ici avant qu'on ait le rôle de naturaliste. Et j'ai fait mes petites expériences pour le coup qui m'ont fait me rendre compte de ce petit détail. Aïe. Je l'avais oublié. Lui, il y a le pélican aussi. Le pélican, il est où? Est-ce qu'il est là, le pélican? Il est là, le bâtard! Ah, le pélican, je l'ai pas. Il s'est sauvé trop vite, le cochon. Non! D'accord. Et tu vois, là, le fait de pouvoir les choper au lasso, etc., ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa de. Hop, tu vois, tu le prends, tu le chopes, tu le ramènes. Et bon. Troisième animal tué gratuitement. Lies Benani, je crois que je suis dans ta session. Non, en fait, je suis sur une session solo. En vérité, quand je suis en live ou quand je fais de la capture, en vrai, quasiment que 100% du temps, je suis en session solo parce que j'oublie de déconnecter le bail. Et normalement, on a des sangliers ici. Alors, peau de sanglier, 3 étoiles, c'est pas exceptionnel, mais ça peut faire le taf si t'arrives à en choper un peu. On regarde ce qu'il y a.
Attendez, attendez, c'est une bonne astuce comme une autre. Il faut acheter une climatisation. Déjà, tu as moins chaud et en plus, ça tue tous les insectes chez toi. Ah, pour les insectes à la maison, oui. Moi, à la maison, à la limite, ça va. J'ai acheté de l'encens, en fait, l'encens répulsif anti-moustique. Ça fonctionne à peu près avec les petits insectes, avec tout, à peu près avec tous les petits insectes, genre les petits moucherons, les petits insectes d'été. Donc, ça leur évite de rentrer chez toi. Mais en extérieur, surtout quand tu fais ton barbecue au jardin, des trucs comme ça. À fin de journée, à 19-20 h, c'est la folie, frérot. Essaie de les ramener avec ton cheval. Ouais, j'aurais pu, mais c'est en fait, c'est long. C'est ce que j'avais, enfin, ce que j'ai essayé de faire. J'essaie de le faire à pied, mais c'est long parce qu'il faut le diriger. Et avec le cheval, c'est compliqué parce que tu as le malheur de donner un coup de croix en trop et tu dépasses l'animal. Faut que tu refasses le tour. C'est un merdier, le truc. On va aller regarder juste par là. Technique de MTU pour éviter les free kills, exactement. Exactement. Alors, autant dans Red Dead, ça te sauve la poire, autant dans GTA, je ne peux pas jouer en dehors d'une session comme ça. Je ne peux pas jouer en session publique dans GTA. J'ai jamais réussi. Alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mort, hein. Ah, regardez, vous avez changé de session en raison d'une erreur de réseau. Ça explique pourquoi j'avais plus d'animaux d'un coup. Et là, les animaux vont ripop. Je vais leur donner quelques secondes. Pélican, trois plumes par tête. Ouais, t'es pas mal. Même les corbeaux fumelés. T'es sérieux? Ah, vous avez faim. Merci, Pixies. Et si je te disais, Pixies, qu'elle ne ferait pas de mal actuellement? Lucna, bonne soirée, merci beaucoup d'être passé frérot. Bon courage pour la suite. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Pas de soucis, Ako, ben, bonne soirée à toi aussi. Non mais je les connais les mecs qui partent ensemble là, on va vous recroiser en soirée dans 2 heures. Vous en serez à votre troisième mojito. Bonne soirée à toi, merci, merci beaucoup les frérots. Lui il faudrait des... Ah mais j'ai pas de flèche à petit gibier. J'ai pas de flèche à petit gibier. Nanana. Allez. Va arrêter de niaiser. Je vais ramener ça au camp. Je vais ramener ça au camp et ensuite on se fera pourquoi pas une petite. C'est quoi, c'est ça le bail? Mais sérieux, je tue pas les coyotes, frérot. Barre-toi. Ah, on a des œufs. Ok. Ouais, j'avoue, merci, McFly. Merci. Après, je parlais de ça avec un pote à moi. Il me disait, mais pourquoi tu fais pas plus de stream? Pourquoi tu stream pas plus? Pourquoi tu fais pas plus de live sur les jeux et tout plutôt que de casser la tête à faire des vidéos, à faire des montages quand il faut en faire, etc. Et je disais, on parle de let's play, hein. Je disais, c'est pas du tout la même façon de jouer lorsque tu es seul face à ton écran et à 100% connecté avec ton personnage, avec ta session de jeu, que quand tu es en live et tu es en train de parler, tu es en train de répondre à des questions, tu es en train de checker ce qui se dit et tu essayes de suivre les conversations qu'il y a dans le chat. Donc même quand tu regardes pas le chat, tu es quand même connecté avec le chat et donc tu es beaucoup moins concentré sur ton écran, ce qui fait que tu te retrouves à faire plein de petites erreurs. Erreur qui vous constaterez je ne fais pas lorsque que je ne fais pas lorsque je suis en vidéo enregistrée, etc. Là, genre le délire de pas faire manger le cheval, c'est vrai que j'oublie de plus en plus, tu vois. Il n'y a plus trop de free kills sur RD. Ouais, le jeu est déserté, donc ça va. 6x YouTube, ça farme sale. Pour l'instant, ça farme. En fait, ça farme long, mais ça farme pas grand-chose en vérité en termes de ressources. Mais effectivement, on est parti là-dessus puisqu'on vient tout juste de débloquer le rôle de marchand. Ouais, je me suis dit, on va essayer de rentrer un peu, tu vois. Direction le camp.
Salam alaikum, tu farmes depuis quand? Là, depuis le début du live. Enfin, on farme depuis le début du live. Non, on s'est fait une petite prime légendaire, on a un peu tourné. Allez, viens, mon ami. Et là, on s'apprêtait à faire une autre activité parce que c'est vrai que là, voilà. Alors, on est léger, on va te donner. Donner, donner de donner, donner, donnez-moi, donner, donner de donner. Dieu vous le rendra. Vous le saviez pourtant. Je rêve du jour où ils mettront les propriétés dans Red Dead. Mais hey, tu m'étonnes, frérot. Mathieu, Rodalie Casu, je vois. Moi, je kiffe faire ça, hein, personnellement. Alors, je me regarde pas jouer, je joue en même temps, mais vous avez compris l'idée. Donc, pour le coup, ça fait plaisir. Bonne session de jeu. J'espère que tu croiseras plus d'animaux de valeur que moi, parce que là, c'est un peu léger, hein, un terme de ressources, quoi. Alors moi, Bob, ce que j'ai fait, je me suis installé un ventilateur de plafond. Alors la journée, ça sert pas à grand-chose, mais la nuit, l'air de rien. Voilà, tu l'allumes. Alors je le laisse en mode niveau 1, tu vois, vitesse 1. Honnêtement, il fait son petit taf. Il fait son petit taf, le truc. Alors, regardez, on a combien de bisons, hein? On va voir combien de 3 étoiles on a sur tous ces bisons. Moi, j'ai ce truc-là où j'aime pas chasser des animaux qui ne sont pas en parfait état. J'ai l'impression de gaspiller. C'est un truc de fou. Dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animaux et on n'en a pas un en 3 étoiles. Vous avez capté le bail? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Écoutez, nous, on va se rendre chez Joe. C'est Joe lui, hein, d'accord. Hein. Non, c'est pas Joe, Joe. Si, c'est Joe. Je suis un ouf. On va aller chez le poteau Joe. On va se faire un petit crime, histoire de varier. Histoire de varier. Je pense pas que ce soit super amusant pour vous de suivre uniquement du farm. Non, mais les gars, respectez-nous. Non, mais j'aime pas parler comme ça. Mais sur la vie de ma mère, respectez-nous, les gars. C'est pas bien. C'est pas bien, comme dirait l'autre, non content de pas ajouter du contenu, il nous enlève les petits avantages qu'on avait, les animaux de qualité. Et ça, elle avait déjà fait une fois quand ils avaient nerf le rôle de marchand. Je me souviens de la période où on croisait beaucoup moins d'animaux en 3 étoiles. Après, je sais plus quelle mise à jour. Et pour le coup, les gars, respectez-nous. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut de la patience, effectivement. McFly dit, c'est vrai que t'as recommencé une carrière, t'es un cinglé. Ouais, mais en fait, c'est une carrière qu'on refait ensemble. Et tu me dis, t'es un cinglé, mais si j'ai pas fait cette carrière, je pense que je jouerais beaucoup moins à Red Dead Online. Le fait d'avoir créé ce nouveau perso, ça me fait redécouvrir des choses que j'ai déjà faites, effectivement, mais que j'ai déjà faites il y a 2-3 ans maintenant. Tu vois? Et repartir à zéro, ça a créé de l'intérêt, parce que tu repars avec aucune ressource, et donc il faut que tu récupères tes ressources, etc. Coco qui me dit, t'as pris quel métier en premier? J'ai pris le chasseur de primes parce que c'est le seul rôle qui rapporte des golds. Et comme on avait un mois dédié au distillateur, je voulais prendre le rôle de distillateur, sauf que le rôle de distillateur ne se débloque qu'une fois le rôle de marchand débloqué. Donc je suis actuellement sur le rôle de marchand, c'est mon second rôle. En attendant d'avoir la somme adéquate pour pouvoir. D'ici la fin du mois, je l'espère en tout cas, débloquer le rôle de distillateur. Ce serait sympathique de pouvoir en profiter un petit peu. Et après, là, les séquences de farm qu'on fait ensemble, quand tu regardes bien, c'est pas du vrai farm intensif. Là, on essaie de voir comment on peut concilier un peu de rentabilité avec des trucs un peu variés. C'est pour ça que j'aime bien. Ah là, tu fais une traque de criminel légendaire, tu fais un peu de farm. Tu fais un peu de chasse, tu fais une petite promenade si t'en as envie, tu fais une petite mission crime, histoire de remettre un peu d'action dans le tas, tu vois. Mais ils se foutent dedans quand je la coupe. Ah, vous parlez de guêpes. Voilà.
Regarde, 20 plumes, il a 3 quarts plein. Oui, effectivement, ça peut monter très vite. Tu vois, moi, je suis dans des bails de qualité, mais c'est vrai que la quantité, ça peut le faire aussi. I said, what the hell do you want? You won't work? Elle tue cette cinématique. Sorry, kind of jumpy. Right now, kind of on edge, you know. But to be clear, I didn't do it. Why, you know, make shit up? Don't add up. Why would I kill him? Don't make sense. I didn't, and I wouldn't. Ça marche. You got my word on that. Honest, I'm not a liar. Anyway, you friends with Micah, with Cleek, Samson Finch. Well, le plaisir de partir de rien, exactement, exactement. As long as you keep your mouth shut, don't lie. Va chez Tommy le consanguin. Ouais, pourquoi pas? I swear I hardly knew the bastard, but this fella, this fella and his bunch, degenerates. Merci, No Face, No Blaze. Malheureusement. Like a gentleman, you know. Good. They're over at Fort Brennan. Fort Brennan. Il est stressé, Joe. Alors, j'ai oublié d'enregistrer les cinématiques, donc celle-là, on va prendre 3 dernières minutes et je vais reprendre. Je vais prendre la vidéo complète. Comme ça, moi, derrière, je vais découper mes cinématiques. Ça c'est des trucs qu'il faut les conserver, en vérité. Pour la postérité. Donc, on va faire ça. Quelle honte, nous disait nos faces. Vous parlez de quoi, les gars? Ah, ça donne des techniques d'anciens pour éloigner les insectes. Des clous de girofle dans du citron, ça éloigne les moustiques. Alors, j'ai pas testé, mais il paraît que c'est efficace. Ok. Avec un doigt dans le péteux, ça marche, enfoiré. Eh, joue le jeu, Flichty, joue le jeu. Alors, on va à la Fort Brennan. On va leur régler leur compte. Ah, ça va nous faire un peu d'action. D'ailleurs, je sais pas si je vous en parlais, je me suis fait un kiff. Je me suis fait un kiff là justement sur les deux prochaines découvertes que je vais mettre sur la chaîne. C'est des jeux un peu en rapport avec l'été. Et on en parlait déjà, mais je sais pas si ceux qui sont là aujourd'hui avaient ce truc là. Éliminer les cibles, ça marche. Selon la période de l'année, je vais avoir des styles de jeux auxquels j'aurai envie de jouer. Calme-toi, frérot. Calme-toi. Par exemple, en été, je sais que j'aime bien... Alors, généralement, le délire que j'ai, c'est qu'en été, j'aime bien jouer à des jeux genre The Long Dark, des jeux un peu dans le froid. Et en hiver, ça va être l'inverse. Mais là, cet été, j'ai envie de jouer à des jeux qui se passent en été. Enfin, qui se passent au soleil, en tout cas. C'est pour ça que j'ai fait le délire sur Sea of Thieves et... Et assez Odyssée. Alors, ils sont les cochons. Ah mais les tacs. Ça m'apprendra. Je l'ai vu, il était en face. J'ai dit peut-être le temps qu'il réagisse, il va me menacer. Je vais lui mettre un coup de couteau. Le coup de couteau, il a fait rien du tout. Ah, je suis pas au top aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Autant le dernier live, je trouve qu'on a été efficace. Là, non, c'est un peu neuf. Ça m'apprendra. Bon. Eh bien, on va vous régler à l'ancienne. Parce que vous aimez ça. C'est quoi, on va le faire à l'ancienne, vraiment.
Alors, ça vous a plu? Et vous remet ça? Voilà. On va se faire une brochette. Il est en train de se sauver l'autre ou c'est comment? Ne dis pas qu'il est en train de se sauver. Ah le cochon. Ah le cochon, il est en train de se sauver. Bon. Vous connaissez le rituel? Tristan, bonne soirée, merci d'avoir été avec nous, frérot. Bonne continuation, je te dis à bientôt, de toute façon, je pense qu'on se recroise très vite. L'été, je joue avec Madame Looping. Non, mais ça, c'est une question d'horaire, Looping. Évidemment. Là, ça, en fait, ça se gère sur les plannings journaliers. Ah, Madère Grand Corazon. Ah non, j'aurais dû sortir de l'autre côté. Ah oui. Confirmez-moi, le mec qui peut aller, il peut aller à Tumbleweed, je peux le rattraper, on est d'accord. Hein. L'historien, jamais, tu peux pas le louper quand il arrive. Merci d'être avec nous, frérot. Que me vaut ce retour? Ça faisait longtemps que t'avais pas vu, c'est bizarre ça. T'avais boudé, c'est ça? V'là un artiste. J'aurais dû faire dans le titre du live, live avec l'historien. C'est ce que j'aimerais faire à l'occasion, la prochaine fois que je fais un live débat avec la radio libre, c'est que tu te connectes au Discord en même temps et qu'on fasse un petit truc micro, une petite interview. Ça pourrait être sympa. On s'est eu tout à l'heure sur le Discord. C'est un débat, maybe. Ouais, mais... ça pourrait être sympa. En tout cas, j'espère que t'as passé une bonne journée, mon ami. Alors, on va juste regarder où le mec. Où est-il là? Il est juste là. Je crois qu'il est parti à pied. Il est possiblement parti à pied. Allez, on va le régler. Après, je pense qu'on aura débloqué une nouvelle traque de criminels légendaires, j'imagine. Il est parti à pattes, le mec, quoi, c'est ça? Mais viens, mon ami. Je veux juste discuter. Il a un cheval. Ok. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Viens frérot. Tu vas où comme ça? Où allais-tu comme ça? Viens, on va remonter sur la route, viens. T'inquiète, on est bientôt arrivé. Voilà. Bonjour monsieur. Oh, il fait de ses cris le mec derrière. Oh, oh, il est en souffrance. Allez. Il est dead. Bon. On se barre.
Alors, je vous disais, qu'est-ce qu'on peut se faire? On se fait un criminel légendaire, histoire d'eux, ou... Ah ouais, tu vas l'envoyer en enfer en Audi. Oh, c'est ça. Laissez-moi tranquille, j'ai pas de prime. Regardez, il y a écrit rechercher, pas de prime. Regardez, je rengaine. Je rengaine. Ah, j'ai oublié que j'avais le truc automatique. Je rengaine, les gars. Allez, y a pas de problème, j'ai pas de problème avec la justice. Laissez-moi tranquille. Super Gaming 78, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, mon ami. Eh, calma. C'est à cause de l'autre, j'ai croisé. Balance. T'as des contrats et des crimes prédisants qui payent bien ce mois-ci avec de l'or doublé. Changez bientôt à voir les... Le problème, c'est que malgré qu'il soit doublé ce mois-ci, en fait, le prix du sang, ça paye tellement mal, que ce soit les opportunités ou les crimes. Ça paye tellement mal... Oh putain, calme-toi. Ça va pas, mon ami? C'est quoi, je vais me changer. Que même avec les trucs doublés, tu t'en sors pas, en vérité. Vraiment, tu t'en sors pas. Simple white. Simple white, c'est celle-là, non? Simple white ferme. J'ai quoi? J'ai juste ça. Vous devez être proche de votre cheveu. Non, mais c'est lui qui fait n'importe quoi. Alors, simple white, c'est celle-là, on est d'accord. Mais avec le bandana, elle m'emmerde, donc on va voir si la tenue de ferme a un bandana. Elle a un bandana. On va voir si elle est buggée, celle-là. On verra. Hop, hop. Alors, vous me disiez beau. Mais beau, c'est pas un truc qui est avec la licence prestigieuse. Il me semble, hein. Bah écoute, Yéyé, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mission principale. Mission principale, chasseur de primes et défi du jour, si tu as le temps. Si tu as le temps, bien sûr, parce que défi du jour, voilà, c'est chronophage. Et évidemment, tu pourras même pas te permettre de ne pas jouer au jeu une journée. Tu loupes ton cycle journalier, voilà, faut tout reprendre à zéro, etc. Donc ouais, dites-moi le temps que je boive une lichette. Alors l'historien, on va faire un vote pour voir si tu peux bien intégrer le club des modos. Ça va, Pixies? Ouais, mais à la base, je suis allé voir Joe pour ça, pour le fun, tu vois. Mais on va s'en faire un. On va s'en faire un. Alors. Le Cous, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, frérot. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et j'espère que tu passes un bon début de soirée. Je disais donc, c'est fini le troll, l'historien, c'est sûr. Nantes FC Coupe d'Europe, me dit Denis Moreau. Mon vieux. Ah. J'imagine que c'est le club que tu as choisi. Je vous repose la question, on fait quoi comme prime, hein? C'est pour ça que je suis sur l'écran fixe. Je me suis pas oublié. Hein? J'attends que l'un d'entre vous me propose une prime. Je serai irréprochable. Mais qui va te modérer? Le loup qui rentre dans la bergerie. Rentrez vos poules. Ah. J'ai acheté un deuxième cheval vu que j'avais peur qu'il soit... Je l'ai baptisé U-Calis. U-Calis? Bien. Fire Azerty. Alors, je sais pas si tu étais là quand j'ai commencé. J'ai dit un truc... Alors, moi, la Yukon League, c'est celle que je fais le plus souvent. Donc, ça ne me dérange pas, je la connais par cœur. Mais j'avais dit, pas Yukon League et pas Clemson. Parce que regarde, si tu regardes, bon, celle-là, j'ai deux, celle-là, j'ai... Ah, celle-là, je ne l'ai pas faite. Cécile Tucker. Je ne savais même pas que je l'ai faite. Yukon League, on est en 5 étoiles. Moi, éventuellement, on peut se tenter une état d'oil pour le fun, histoire de... Ah, la famille Allhout? Allhout? Ou du Saigus?
Bravo Cambouaré. Ah, bah écoutez, on n'a pas le choix. Hein. On va passer le reste du live sur cette mission. Mais celle-là, je l'ai faite en solo et en 5 étoiles, les gars. Je vous le dis, c'était une galère. Je vous mets au défi. Alors, vous allez réussir. Mais c'était une grosse galère pour moi, je vous dis la vérité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oh non, ça. On va voir. Allez, on va se la faire. Normalement, ça devrait aller. Choisis pour une fois. Allez, je choisirai la prochaine, le Pixel. Tu l'as renommé 50 Pack. Et ta doll, elle est assez simple, effectivement. Ouais, pour le fun, pour rappeler la technique. Parce que quand tu connais la technique, en fait, c'est là qu'elle est simple. Et bonsoir, nous dit Saigus. Effectivement. Bonsoir et bienvenue. Alors, pareil, ça c'est un truc, je crois que c'est la première... Non, c'est à Barbarella Alcazar la première que j'ai fait. Après, la deuxième qui était sortie, je crois que c'est la Family Hood. Si je dis pas de bêtises, dans l'ordre de sortie des primes légendaires. Ah, ça, ça parle foot. Ça parle football. Alors... on va faire AB. Ouais, on fait ABCD. On fait ABCD, c'est bon. Tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. Parce que j'ai pas encore les bolas et tout. Le jour où on aura les bolas, où on aura le chariot de chasseur de primes, tu vas t'éclater. Même sur celle-là. Tu vois? Il me semble même que lorsqu'elle est sortie, cette track, j'avais déjà le chariot de chasseur de primes. Ah non, on suit la route, mince. Je veux dire, on suit la route, on suit cacahuète. Et en fait, maintenant que j'ai le rôle de marchand, je suis en train de regarder. Par exemple, attendez, on va regarder un truc. Antilope, 3 étoiles. Tu vois, antilope, 3 étoiles, mais je suis en mission. Je peux pas le chasser. Le loup, bonsoir à toi. Je suis sur une traque de criminels légendaires. On a débloqué un peu plus tôt dans ce live le rôle de marchand. Qui va nous permettre à terme de débloquer le rôle de distillateur avant la fin du mois si possible, mais il va me falloir un peu d'or donc ça va être un peu compliqué. Et sinon on essaye de varier les activités parce que si on fait que du marchand, voilà, c'est ça risque d'être compliqué. Alors moi ce que j'aimerais bien tenter, vous me dites hein, mais j'aimerais bien tenter hop, une petite infiltration. Vous savez que j'aime bien les infiltrations. Alors ça marche pas, tant pis, hein, on fera sans, mais... Est-ce que je me fais celui de l'intérieur? Et ça, c'est dommage qu'il me capte. J'avais oublié ce truc-là. Attends, on va te libérer. Ah! Non! Je vais pas faire la mauvaise langue. Je vais pas faire la... Pardon. Non, mais pardon. Non, mais c'est moi. On va dire que c'est moi. Parce que je voulais... Ah! Un moment va bientôt vous échapper. C'est fou. J'ai voulu libérer le mec. Non, mais c'est moi qui fais le con. En vrai, à partir du moment où l'erreur vient de toi au départ, voilà, ça t'apprendra. Tu n'as rien à dire. Donc, je vais assumer. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi? Même elle, je vais la buter. Je vais tous les buter. Voilà, c'est bon. Lui doit se faire tromper par sa femme sans pitié, lui. Cette chance de cocu. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Mince. Ah. Et lui, c'est qui lui? Je te tue pas, toi? Ils vont tous vous fumer. Tu vas où, toi, frérot? Voilà. La décidence. Ta gueule. Voilà. Non, mais c'est bien de temps en temps, je vais tous les buter. Ça va être vite réglé. Je voulais me la jouer infiltration. Le mec s'est cru dans Hitman. Tu vois? Y'a pas de Hitman, y'a pas de Sam Fisher. En plus, ça récolte pas mal d'alcool de contrebande là aujourd'hui. Hein. Mauvaise idée, ouais, ben si j'avais écouté. Si j'avais lu ton message plus tôt. Et en fait, le problème avec les jeux Rockstar, quand tu vas tenter de jouer l'infiltration, c'est que en plus de ne pas y arriver, c'est frustrant parce que. C'est frustrant parce que. Tu perds sur toute la ligne en fait. C'est toi ce qu'il a dans l'os au final à vouloir jouer comme ça. Ah, c'est même pas genre tu y arrives pas, bon tant pis, ben, on trouvera une autre technique, tu vois. Adrino, t'as cru que tu joues à Batman? Ah, moi je réussirais pas à avoir 15 lingots pour le premier métier. Non, 15 lingots, ça se récupère rapidement. Vérifie tes cartes au trésor, il y a des petits trucs comme ça qui font que l'air de rien, tu peux récupérer des lingots assez rapidement. Vraiment. Je t'ai laissé faire. Alors. On va aller par là-bas. Kiss Not Real, si la prochaine magie est encore mauvaise, que deviendra le jeu? Si magie... En fait, là, en fait, je me souviens d'une époque pas si lointaine où on débattait sur la qualité et le thème du prochain DLC. Là, on n'en est même plus. On est né juste à se demander, est-ce qu'ils vont sortir ce putain de DLC ou pas? Parce que... Je vous dis la vérité, j'y croyais jusqu'au mois de juin. Là, je me dis, ils sont capables de nous envoyer une newswire mensuelle, comme d'hab, mois de juillet, bonus sur je sais pas quel rôle, bonus sur je sais pas quelle activité. Et à mon avis, là, c'est vrai, ce serait signer leur arrêt de mort, tu vois. Parce que là, c'est vraiment, tu dépasses les bornes, tu vois. J'en suis à 8 sur 15, le loup. Alors, je vais essayer de checker le dernier message du loup. J'ai dû zapper un truc de ce que tu disais. C'est relou quand ça vient par derrière de ouf, Fire. Non, mais ça apprendra. Ça apprendra. C'est de bonnes leçons. Tu sais qu'on va faire? On va retourner, on va se faire le B. Tu vois, par exemple, si j'avais le chariot de chasseur de prime, j'aurais pas été obligé de venir jusqu'ici et d'y retourner parce que je l'aurais chargé direct dans le chariot de chasseur de prime. J'aurais volé un cheval ou je serais allé directement avec mon chariot. On aurait enchaîné le deuxième, troisième, quatrième, tu vois. Allez, ça va nous permettre de voyager un petit peu. Ça fait un moment que j'ai pas squatté dans cette région aussi. Sachant que c'était une de mes régions préférées. En fait, faut être clair, c'est la région qui fait encore le plus Far West. Quand tu regardes bien, Rhodes, Saint-Denis, etc., c'est Annesburg, c'est industrialisé. Donc pour le coup, tu n'étais pas dans le Far West de tes fantasmes, tu vois, le Far West de ton enfance, de Sergio Leone, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vraiment New Austin où tu as ce ressenti encore de Far West classique, etc., ce que je vous disais. Les Tall Trees, ouais, c'est très joli. Après, voilà, en termes de travail, je me dis que toutes les régions sont belles. Tu vois, même en Barino, on est d'accord, il n'y a pas grand-chose à faire en Barino. Mais en Barino, c'est beau à mort.
Ah ouais? J'ai pas dit que c'était une mauvaise idée en forêt. T'apprendras à mettre une jupe. La 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 la. C'était pas une cible inconnue. Eh, on fume tous. Ça fait 2 ans que les mâches sont pourries, t'es chier à louper. Alors je vais être moins catégorique. Les mâches sont pas pourries. C'est juste qu'elles pourraient être nettement mieux. Et le fait de savoir qu'elles pourraient être nettement mieux, t'es déçu, c'est normal. On va revenir sur prix du sang. Prix du sang, quand tu t'attends à rien, c'est bien joli. Mais prix du sang, quand tu vois là le DLC de GTA qui est sorti, et on va pas refaire le débat. Oui, mais GTA ça rapporte plus. On s'en fout du gain. T'as décidé de développer un DLC. Fais-le bien. Sachant que je suis sûr que ça coûterait même pas plus cher. Là, ça aurait pas coûté plus cher de le faire mieux. Au lieu de nous mettre 1 milliard de missions crimes, mets-nous des missions crimes en plusieurs étapes avec une vraie narration. Il y a 3 putains d'opportunités, c'est-à-dire il y a 3 missions principales dans le DLC. Ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de les travailler correctement sur une structure qu'on connaît. Voilà. Dans la tèche. Pardon, vous m'excuserez. Je sais pas si c'était un homme ou une femme au départ, mais c'était déjà prévu que je fasse ça. Voilà. Je crois que je vais rigoler avec vous. Elle était pas mal, maman Hollywood, hein. L'air de rien. Ah, vous m'excuserez, là, ils m'ont énervé sur la mission. Voilà. C'est l'esprit revanchard qui parle. Ambarino, Little Creek River, Great Plains sont pour moi les plus beaux paysages. Et c'est super souple que ce soit cela. Je sais que pour d'autres, ça va être les Heartlands, parce que les Heartlands, voilà, c'est représentatif un peu de des grands espaces, etc. Personnellement, j'aime bien la région. Alors, pas forcément la ville de Strawberry, mais la région de Strawberry, avec la Big Valley, etc. Voilà. Le truc, c'est qu'ils ont réussi à créer une map qui va, quoi qu'il en soit, plaire dans certains de ces coins à un peu tout le monde, tu vois. Je boycotte Prix du Sang et Harriet. Ouais. Guarma paysage. Sans le sniper, oui, effectivement. T'es sur de l'été là, t'es sur de l'exotisme sur Guarman, on est d'accord. J'aime bien les moines, tu vois. Le moine, je veux dire le moine. Flichtube, je redemande, mais oui, mais après on va te le glisser le lien Discord, non? Mon PC est en PLS, ah ok. Faudrait que... Si tu peux me contacter sur Instagram ou si tu veux contacter l'un d'entre nous sur Instagram, Flichty, je te l'enverrai, je t'enverrai une invitation personnalisée. Willy, bonsoir à toi. Toutes mes salutations les plus sincères, mon ami explorateur. Merci d'être là. L'autre, ça va être plus faire. Je sais plus maintenant, il est où le de l'avant-dernier. Allez, on y va tranquillou. Là, on est sur du western, vraiment du temps. T'es en 1860 là. Et en plus, je me suis fait fumer, je suis dégoûté. Ah, bah ouais, sur la console au pire des cas. Effectivement. Effectivement. Ilian CMY92, bonsoir à toi frérot, merci d'être avec nous. Mince, pardon, je suis sur l'écran. Tu sais quoi? Faudra que je le mette sur la prochaine vidéo YouTube.
Prochaine vidéo YouTube, je ferai une parenthèse où je repréciserai que le Discord existe parce que vous avez été quelques-uns à me demander, enfin quelques-uns, 3-4, à me le demander. Et donc ce serait bien de faire un petit rappel, pourquoi pas même en vidéo, tu vois. Donc, donc on va faire ça. Alors faites pas comme moi. Hein. Ramenez les vivants, ça rapporte plus. Voilà. Ah, j'étais sûr de leur avoir mis une tête. J'aime bien le mec, il arrive avec son couteau. Il faudra faire le mariole, t'es pris pour Terminator ou c'est comment? Allez, c'est quoi? Allez. Dixé, je crois que c'était Drixé, frérot. C'est la famille à Drixé, Dixé. Allez. Ok, ça marche. Ça marche, Seb. Ce qu'on va faire, je vais vous demander de me proposer des exécutions dans les commentaires. Vous allez me proposer des exécutions et le dernier ennemi d'une phase, ce que je vais faire, c'est que je tenterai l'exécution que vous me proposez. Je sais pas si c'est clair. Non. Genre l'autre te dit tu l'immoles par le feu, voilà, tu lui mets un petit coup de cocktail Molotov, l'autre il va me... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au bûcher, on brûle, exécution. Genre ça voudrait dire quoi? Au bûcher! Au bûcher! Hérétique! Au bûcher! C'est ouf. Tu pourrais venir jouer sur Xbox? J'ai pas d'Xbox, frérot. Ah! J'ai pas le choix. J'ai pas d'Xbox et en fait plus je découvre le Xbox Game Pass, plus je me dis que finalement je n'aurai pas besoin d'Xbox. Bon, il va falloir que j'ai en fait il me faut un nouveau disque dur tout simplement. Je prendrai un SSD si il me refaut un 2 Go, parce que j'avais un 2 Go, je l'ai rempli. Et donc alors le gamer du 24007, bonsoir à toi, merci d'être abonné. Bienvenue à toi, en espérant que tu trouves ton bonheur sur cette chaîne. J'adore les données au crocodile, ouais, ça va être un peu plus compliqué. Alors, AMG, balle dans la bouche, ok. Donc, assommer et ensuite l'exécuter, balle dans la bouche. Je note fire. DK qui me dit, tu le renverses avec ton cheval, donc tu le piétines à mort. Barbarella, traîné par ton cheval jusqu'à la mort, nous dit Bob Blackor. Ligoté et donne à manger au Xbox. Ah, tu manques quelque chose sur Xbox. Oui, mais après je suis pas le genre de joueur qui va avoir 2 consoles. Je sais pas comment ils font. Enfin, si, je sais. Généralement c'est des journalistes. Mais un joueur lambda qui va avoir 2 consoles, comment je fais, frérot? Dire entre le PC et la PS5, j'ai du mal. J'ai du mal. Sur le PC tout seul, entre les différents comment on appelle ça? Ah, Steam, Epic et tout. Entre les différents launchers, je m'y perds. J'ai réinstallé un émulateur. Donc, je rejoue à des jeux PS2, PS1, Mega Drive, Super NES, ce que tu veux. Je galère. Alors, imagine-toi si j'avais une autre console que je devais placer à côté de la mienne. Il faut lui trouver une place, il faut la brancher, il faut faire... C'est... Exécute-le sur Guarma, je le mets celui-là. Griffa, bonsoir à toi, ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu en commentaire ou sur le chat, donc bienvenue à toi, j'espère que t'as passé une bonne semaine et que tu passes une bonne soirée. La mif, c'est la mif, Griffa. Alors, ta chaîne porte ce pseudo, j'ai une chaîne poubelle.
Merci à mon nom pour ceux qui veulent passer une tête, abonnement gratuit, dit FlixTube. Bah, mets le lien. Je pense pas que les copains, je pense pas que les copains vont te l'effacer. Never 3v3 Land. Je t'appelais Michael Jackson. Salut gars, ça faisait longtemps, ça fait un moment que j'ai pas allumé Red Dead, vu la tournure que je prends. Ça c'est triste à dire, mais tu loupes pas grand chose, parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Voilà. Là on essaye de, voilà, de conserver un minimum d'intérêt sur le jeu en variant les activités, bah, via des lives, parce que voilà, le fait d'être là, de putain, elle était magnifique l'éclair, wow. Le fait d'être là tous ensemble, discuter, exécuter, etc. Ça permet de se sentir moins seul dans ce vide intersidéral qui est devenu Red Dead. Alors j'exagère, hein. Je m'adapte à la température. Mais c'est vrai que tu pourrais très bien ne pas y jouer. Et je vois que XD55 est en train de me balancer des jeux à tester sur l'Xbox Game Pass. Alors, le Flying Simulator, le problème, il va falloir que je fasse de la place sur le PC. Parce qu'il faut que je le teste, c'est obligé. Il faut que je le teste. C'est pas mon délire du tout, les jeux d'avion, mais le Flying Simulator, il faut que je le teste. Sinon, ça va pas. Sinon, je serai pas satisfait. Quoi, ils m'ont capté? Non, ils m'ont pas capté. Allez, lui, est-ce que... Non, on peut pas. On peut même pas. Regarde. Il faut en sorte que tu ne puisses pas... tu ne puisses pas faire ton truc en infiltration. Parce que regardez la disposition des ennemis. Automatiquement, si j'en tue un, tu sais bien qu'il en reste un. Tu vois? Donc... Tu vois? Ah non, quoique. On essaie? Ah si, on s'en doutait. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu danses? Elle a dansé, la meuf. Non mais j'ai un problème de visée là. Je l'ai même pas vu arriver. J'ai un problème de visée ou c'est comment? Voilà, ça prendra. Yakuza Like a Dragon, ouais. J'avais suivi le let's play de Atomium. Il a l'air vraiment, vraiment fou en fait. Tu vois, la sauce Yakuza, il a l'air juste fou. C'est quoi? On va se le faire au Colt. Qu'est-ce qu'elle a l'air faible, cette... Je me la jouais un peu RP. Hein. On a compris que ça servait pas à grand chose. Alors lui, on a dit quoi? Hop. T'as peur, enfoiré, hein? Donc on disait une balle de quoi dans la bouche, tu disais, frérot? Allez, on va dire que c'était une balle de cette arme là. Griffa, c'était pas de la...
Oui, mais après, si c'est pas ton délire. Si c'est pas ton délire, évidemment. Moi-même, c'est pas trop mon délire, les. Oh putain! Les jeux d'avion en général, tu vois. Il cogne, hein. Il m'a fait un bon tête, le gars. Voilà. Après, ce qui me donne envie dans le Flying Simulator, c'est le fait qu'ils aient modélisé des trucs de fou, tu vois. À votre avis, ils se réveillent si je jette le truc? C'est même pas réveillé, le cochon. Non, Bender, non, après, Griffa, genre, elle, c'est pas son délire du tout, donc automatiquement, elle va dire, c'est pas ouf. Mais moi, j'ai pas vu forcément les mêmes choses que vous, mais de ce que j'ai vu, c'est, en termes de modélisation, de sensation de pilotage, etc., c'est quand même un truc de ouf. Je dis la vérité. Après, il faut quand même être un minimum client, c'est normal, tu vois. Mais j'ai pas dit de jeter par ici, frérot. C'est quoi, regardez. Hey. Voilà, je m'embête. Voilà. Même ta mère te reconnaîtra pas. Exactement, Saigus. Kabenoé, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, mon ami. Tu sais, il y a un paramètre que l'être humain a tendance à oublier. Et moi, le premier, hein. Ça s'appelle la subjectivité. Tu vois? Ce qu'on aime dans la vie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Et ce qu'on déteste, ce n'est pas forcément mauvais. Là, c'est juste une question de ressenti. Moi, j'aime pas les. Tu vois, on parlait d'Overwatch avant. Moi, Overwatch, j'ai regardé des vidéos quand il est sorti, parce que voilà, je me renseigne un peu sur les jeux. Il m'a pas plu du tout. Graphiquement, j'ai pas kiffé. Les designs des personnages, j'ai pas kiffé. Le gameplay ultra, j'ai pas kiffé du tout. Mais je sais très bien que c'est une opinion personnelle, tu vois. Si un mec me dit c'est de la tuerie Overwatch, ben, de son prisme à lui, je suis d'accord, j'accepte totalement le fait que ben, il doit avoir ses qualités, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est pareil, Flying Simulator, le but du jeu, c'est de décoller d'un aéroport, de voler pendant je sais pas combien de temps et d'atterrir dans un autre aéroport. Évidemment, si ton délire, c'est l'action, je sais pas moi, on parlait de scénario, on parlait de mise en scène, ça va pas te parler. Surtout si tu sais pas piloter. Mais ça n'empêche pas que le jeu a peut-être des qualités en termes de gameplay, de simulation, de comment on appelle ça, de modélisation des paysages. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, après, je... Tu vois, par exemple... C'était quoi? Voilà, je suis pas trop. Moi, je suis pas trop zombie. J'ai jamais. Merci Looping, la classe, frérot. J'en profite du travail. Moi, je suis pas trop zombie. Moi, les zombies, ça m'a saoulé déjà. Ça m'a saoulé déjà quand Walking Dead est sorti. J'en ai déjà ma claque des zombies. Même si j'ai beaucoup aimé Walking Dead. Mais Walking Dead, c'était particulier. C'est une œuvre psychologique. C'est pas les zombies pour les zombies. Mais je me rappelle qu'il y a un jeu qui était sorti il y a quelques années auquel j'avais joué et que j'avais beaucoup kiffé, qui sortait un petit peu des délires jeux de zombies habituels où le but c'est juste de faire un massacre. C'était State of Decay. Et j'y ai repensé parce que dans le Xbox Game Pass, t'as State of Decay 2. Alors, il a beaucoup beaucoup de défauts, mais j'aime bien le concept. Alors que voilà, je suis pas fan de trucs. Le gameplay est assez arcade, assez... J'allais dire beaucoup trop souple, tu vois. Mais il y a quelque chose qui fait que j'accepte totalement le fait qu'il est bien. Et il a réussi à m'avoir par ce biais-là, tu vois. Comme Red Dead, en vrai, quand il est sorti, j'ai trouvé tellement ouf d'état de graphisme que j'en ai fait une propagande dans tout mon entourage. Ben, personne n'a kiffé. Ben oui, moi je me souviens du test de Gags sur Red Dead 2. J'ai pété les plombs. Alors que Gags, souvent, je suis très très souvent d'accord avec lui. Mais là, je dis, mais on n'a pas vu le même jeu, frérot.
Tu vois, c'est pas possible. Là où, tu vois, là où j'ai trouvé que c'était très bien traité, le mec, non, pour lui, c'était pas bien. Tu vois, c'est... Quand ils vont annoncer une nouvelle match, c'est vrai. Quand vont-ils annoncer une nouvelle match? Eh, ne nous faisons pas de mal. Ne nous faisons pas de mal, frère. On passe à autre chose. On parle d'autre chose, on attend. C'est comme... Attends, on va en parler tout de suite. Juste, je lis le commentaire de Griffa. Nouveau modélisation, c'est pas mal, mais il n'y a aucun truc qui m'a dérangé. C'est la place qu'il prend sur l'ordi pour le rendu qu'il a... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, le problème, c'est que tu es une machine de guerre ou que tu es un PC de bureau basique, il prendra toujours le même poids. Après, vous n'aurez pas forcément les mêmes réglages de rendu. Tu vois, quand tu personnalises ton rendu avec tous les paramètres que je ne connais pas, tu vois. Des paramètres graphiques, la qualité des ombres, des reflets, des conneries, des blabla, des bricoles et tout. Tu peux jouer au même jeu qui va peser le même poids, que tu auras acheté au même prix, mais d'un PC à l'autre, ce sera totalement un autre rendu graphique, tu vois. Salut, bande de gens foutre. Et respecte un peu qu'elle est vraie, enfoirée. Artem. Artem 28, bonsoir à toi. Non, pas de mise à jour prévue. Non, pas de soucis, frérot. Ça arrive. Pas de mise à jour de prévu, on est en train d'avancer un petit peu avec notre nouveau personnage et donc on a débloqué notre nouveau rôle, notre second rôle sur cette partie-là, qui est le rôle de marchand afin de pouvoir débloquer le rôle de distillateur bientôt. Ah, j'ai pas été assez vif. Alors, je voulais vous raconter une histoire. On en parlait il n'y a pas longtemps. Moi, je suis la série The Boys. The Boys, c'est une série, pour moi, c'est une série de ouf. Là où certains vont voir une série, vont voir une série hard pour être hard, moi, je c'est peut-être moi qui suis fou. Moi, je vois des messages dans la série The Boys. J'aime beaucoup. Je pense que je pourrais me passer de certains trucs un peu trop abusés qui sont là vraiment pour choquer. Mais dans l'ensemble, je comprends l'utilité d'une certaine violence proposée par la série. Et donc, vous avez vu le système de proposition d'épisodes sur Amazon avec cette série. C'est ils ont sorti les 3 premiers épisodes et ensuite un épisode par semaine jusqu'à la fin de la saison. Et c'est frustrant, hein. Tu vois, quand t'as fini ton épisode, c'est putain de frustrant de se dire, tiens, faut que j'attende... Oh, je suis pas concentré. C'est putain de frustrant de se dire que tu vas devoir attendre une semaine avant de voir la suite de la série alors qu'on commence à prendre. Et d'ailleurs, on a déjà pris cette habitude-là de binge-watcher, comme ils appellent nos saisons de série. Alors, première parenthèse, c'est frustrant, mais je kiffe parce que c'est comme ça que tu retiens une série sur la longueur. Moi, je me souviens de Squid Game. Squid Game, j'ai maté la série en 3 jours. Et ça peut être le succès que tu veux. Moi, la série, 2 semaines après, je l'avais oubliée. Tu vois ? Mais vraiment, quand je dis oublié, c'est-à-dire que je me souviens des grandes lignes, mais j'ai oublié. Par contre, une série comme Game of Thrones, les saisons que j'ai suivies, lorsque tu avais un épisode tous les dimanches, tous les lundis, je ne sais plus exactement, eh ben, je m'en rappelle encore très bien. Parce que... Quand t'avais fini ton épisode, entre l'épisode que tu viens de mater et l'épisode qui va sortir la semaine prochaine, t'as le temps de macérer, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de faire des théories, t'as le temps d'en discuter avec d'autres personnes, t'as le temps de regarder des vidéos sur internet. Ah ouais? Et je pense que c'est comme ça qu'une série se savoure et se préserve dans la mémoire, dans le temps. Donc, premier truc que je voulais aborder, The Girls, enfoiré. C'est Bob qui regarde la série The Girls. C'est pas une série, c'est un documentaire. Et autre problème, c'est ça dont je voulais vous parler au départ, c'est à l'heure actuelle, il y a 5 épisodes qui sont sortis sur les 10 prévus pour la saison. Il me semble que tu en as une dizaine sur la saison. Et ben, le nombre d'articles, le nombre de forums où ils discutent déjà de quand va sortir la saison 4, alors qu'on est à la moitié de la saison 3, pour moi, c'est je comprends pas en fait. Moi, ça m'impressionne, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. Ça m'impressionne à quel point les gens sont pressés et sont tellement pressés de voir la suite qu'ils ne profitent pas de ce qu'ils ont sur le moment. Je pense que vous voyez le délire. Moi, je me souviens, 2 mois après la sortie de Red Dead 2, Red Dead 3, il sort quand?
Bordel, profite de ton jeu, frérot. Pourquoi, pourquoi tu veux jouer à Red Dead 3? Pourquoi tu veux te saouler? Pourquoi tu veux te gaver comme une oie avant Noël? T'as joué à ton putain de jeu, il a duré. Si tu as bien joué, tu as joué minimum 60 ou 80 heures. On parle juste de Red Dead 2. Bordel, digère. Joue à autre chose. Reviens sur le jeu dans 2-3 mois. Pourquoi tu... Non, je vais là, il sort quand le jeu je... Moi, je comprends pas, là. Je sens manquer de respect à ceux qui sont comme ça. Pour moi, c'est pas dans mon logiciel, je vous le dis. Là, vraiment. Profitons, moi, je pense que... On oublie de profiter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dire tu profites. Parce que, évidemment, quand tu manges un truc qui te plaît, t'en profites. Mais peut-être que si t'es en train de regarder la télé pendant que tu le manges... Ben, ton plat aura moins de goût que si tu regardais ton assiette et de la boucher avant de la mettre dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on oublie de profiter. En fait, à force d'être gâté et d'avoir du contenu sur tout, tu vois, sur tout, soit des vêtements, que soit des séries, des films, des jeux vidéo, de ce que tu veux, du divertissement, à force d'avoir de tout, ben, t'as pas le temps de profiter de ce que tu as. Que tu veux déjà le truc que tu n'as pas encore. Tu vois le bail ou pas? Bonsoir, Benjamin Kleiner. Désolé, hein, je fais un petit laïus parce que, sans vouloir faire le psychologue. Mais voilà, parce que c'est des trucs, ça me travaille en fait. Tu vois, j'y pense avant de dormir. Je dis, mais putain, c'est quand même un truc de fou. Et donc, bonsoir. Par contre, GTA 6, il est oui, le GTA 5 est sorti en 2013. 2013 ou 2014? 2013. Hein. Donc, évidemment, il a 10 ans. Mais moi, le truc qui me choque, c'est au bout de... tu vois, pendant, t'es même pas au bout de... T'es dans la période... L'épisode 5 venait de sortir. On va savoir si on n'était pas déjà encore à l'épisode 4 à ce moment-là. Que, et il sort quand? Elle sort quand, la saison 4? Calme-toi, frère. Digère. Digérer, ça fait du bien. Le DLC, ouais, ce qui paraît, il y aura Michael. Je pense que les leaks sont bons pour le coup. De ouf. Tu leur donnes une manchette... Tu veux leur donner un coup de machette, ils te mangent le bras entier. Good evening, 180. Bonsoir à toi, c'est très avec nous, frérot. Ah, d'accord. En termes de mise à jour, Red Dead Redemption 2 est finito. Alors, moi, je dirais pas ça actuellement. Asdin, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Je dirais pas ça, mais si on n'a rien en juillet, c'est pas Rockstar qui va déserter. Enfin, c'est pas Rockstar qui va être la cause. De la chute de Red Dead, mais bien les joueurs de Red Dead Online qui vont arrêter d'y jouer, je pense, pour un grand nombre d'entre nous, ou un minimum, ce qui va vraiment signer la vie de décès. C'est le gros problème. Tu vois. Le truc qui me tue quand il y a un DLC sur GTA ou Red Dead, ça va... ouais. Le truc qui va sortir, c'est-à-dire, on te donne un petit... On te donne un petit... Dom, ça sert à rien, je suis là du camp. Hop. Une petite marge, on te dit, voilà, le DLC, il dure à peu près, je sais pas moi, 6 heures. Au bout de 3 heures, déjà, on l'a déjà fini. Comment vous faites, les frères? Vous jouez en accéléré? Il y a une option, genre, x2, le jeu, ou... Encore? C'est vrai qu'ici, t'as beaucoup de camps de bandits. Le plus grand mystère de Red Dead, c'est pourquoi pas de braquage sur Red Dead Online alors que c'est disponible en mode histoire, surtout que les braquages sur Red Dead sont... Mais... Frère, je me suis mordu les doigts sur cette question en espérant, en me disant peut-être qu'ils attendent un DLC, un truc, j'attends rien. C'est dommage. Azin, il devient quoi? Je laisse le chat te répondre. Allez, suspense. Je laisse les copains te répondre. C'est mort, mon PC veut pas. Voilà. Il y a très peu de modeurs, je trouve, le jeu. Non, il y a des modes pas mal hein, sur Red Dead PC. Alors, pas forcément aussi fou qu'il y avait sur San Andreas, évidemment. Mais voilà. Zoroki, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, frérot. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Allez, c'est volontaire hein, que je ne sois pas mis à couvert.
Là, je me suis dit, on va se faire un kiff. Parce qu'il faut savoir que ma jauge de vie n'est pas encore à son maximum. Donc j'encaisse beaucoup moins bien qu'un John Kazman, par exemple. Ah. Il me reste 2 balles. Il me reste 2 balles, on va pas gâcher. Ah, bon, on a gâché. Night Owl, salut à toi. Bienvenue. Bah écoute, bah, si c'est la première fois, bienvenue à toi. En espérant que tu passes un bon moment avec nous. Alors en termes de qualité de jeu, c'est pas mon meilleur direct, mais on passe un bon moment quand même parce que on compense en discutant. Mais en fait, et c'est ça aussi, je pense, la qualité de l'avantage et ce qui fait que c'est agréable de suivre un stream, c'est que t'as vraiment cette interaction en direct et le fait de pouvoir parler de tout, de n'importe quoi, d'échanger, etc. C'est quand même une différence. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à m'habituer à suivre un direct. Parce que je suis la majorité silencieuse, moi. Alors, ceux d'entre vous qui suivez le live depuis 1 heure ou 1 heure et demie et qui ne parlaient pas, je suis comme ça, moi. Souvent, je suis en ninja. Je suis des lives, je ne parle pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une question ou un sujet qui me concerne directement, je ne vais pas interagir avec le chat. Donc, voilà, j'ai du mal à comprendre le pourquoi... C'est les gens kiffent autant, tu vois. Et finalement, avec le temps, à force, tu comprends, tu dis, ouais, c'est vrai que t'as ce truc-là où t'as un truc à dire, bah, tu le dis tout de suite pour peu que voilà, sur le chat, je ne sois pas des centaines et des centaines. T'as ta réponse, t'as des échanges. Tu vas rencontrer quelqu'un sur le chat qui est peut-être sur la même longueur d'onde que toi ou pas, qui va faire que bah, vous allez discuter entre vous, tu vois. En fait, c'est pas simplement le créateur de contenu avec ses viewers. C'est la communauté entre elles. Avec un mec, pour le coup, qui a la parole en vocal, mais les autres qui sont là, qui messagent, qui discutent et qui mettent leur grain de sel, l'air de rien derrière, tu vois. C'est pour ça que les sujets que j'aborde en live, c'est des sujets dont vous m'entendez pas parler en vidéo. Parce que je suis tout seul, j'ai pas de répondant. Là, si je vous dis un truc qui vous plaît pas, vous me dites « Ouais, mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Pourquoi ?» Ben, on échange, on discute et tout, tu vois. Donc, ouais, je kiffe. Je kiffe. Alors, on avait dit quoi? On avait dit... Pourquoi je suis venu ici, moi, en fait? Je sais pas. Pourquoi? Je crois que je suis bloqué, de toute façon. Ah, ils me disent pas combien de temps. Ok. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va retourner chez un crime. On va se faire un crime prix du sang. On va se faire un prix du sang parce qu'on se dit ça depuis tout à l'heure et... Ah non! Je dis rien, je sais ce qu'on va faire. Ça, c'est une petite surprise. C'est une petite surprise pour l'un d'entre vous. C'est comme qui dirait ma spécialité. C'est pas ma spécialité en vérité, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un truc que j'aime bien faire. C'est quoi le mieux? Ouais, on va partir de là. C'est tant pis. Alors, c'est tranquillou pilou pilou. Oui, clairement. J'aimerais trop avoir un métier ranch. Ouais, rancher. D'ailleurs, j'ai envie de reprendre Red Dead Redemption 2, mais de cette séquence-là, là. Avant de voir. Ah, j'ai un problème avec la webcam aujourd'hui. Elle a freeze et j'ai pas la possibilité de la débloquer, en fait. C'est juste ça. Mais le dernier live, on l'a fait. On a eu aucun problème. On était bien, mais... Voilà. Toi et ta chance. Alors, on va venir ici. On va venir ici. Regardez bien, hein. À tous les coups, je vais mettre le mode cinéma. Je vais me retrouver avec un guet-apens. Alors, ça ne vous plaît normalement pas, capitaine, pour rien. Mais oui, remets-toi de la vie et du Dead Eyes. Remets-toi de la vie et du... Ah, pendant la fusillade. Non, en fait, c'était le challenge. C'était de se le faire en une vie, tu vois. Poli, accueillant, c'est tout moi qui les bras. Non, mais les entrées de Kelevra systématiquement, c'est toujours... attends, c'est ce qu'il a dit le roi Arthur.
systématiquement. Putain, j'ai oublié. Lorsqu'ils veulent casser des briques avec Perceval et Caradoc, il arrive et il dit, non, je vous prie ça pour rien au monde. Il est beau le lavabo. Il est laid le. Tu devrais faire Red Dead 1 en plusieurs parties. J'avoue. J'avoue. Et en plus, il était sur le PS. Comment s'appelle ce truc-là maintenant? Le PS Now. Donc d'ici la fin du mois, possiblement que je l'aurai vu que je vais prendre le premium. Enfin, je vais prendre le top du top sur le nouveau PS Plus. Donc je l'aurai possiblement. Donc j'aurai la possibilité de faire ça. Au moins la découverte. Et d'ailleurs, j'ai téléchargé Red Dead Revolver. Je l'ai sur mon émulateur. Il faudrait que je le lance et que j'en fasse un enregistrement à l'occasion parce que ça m'intrigue de voir d'où tout ça part. Tu vois, d'où l'idée part en vérité. Tu vois. Autant pour moi. Ça y est, ça veut chanter du lagaf, c'est quoi le projet, les gars? Hein? Vous voulez me faire des problèmes? Bob, je vais devoir y aller. Bonne fin de samedi, bon dimanche, bye. Les icônes, c'est pour déconner. Évidemment, évidemment. Bobby, merci beaucoup. Merci à toi d'être là à chaque fois. Merci de transmettre. Ah, attends, Bob, bouge pas, Bob. Bob, bouge pas. On va tenter un truc. On va voir si on y arrive. En fait, il faut s'approcher. Ça va foirer. Normalement, il réagit déjà. Allez. Mon émulateur, arrête d'avoir peur, frérot, c'est pas John. Allez! Voilà. Attention. Ça va aller. Hein? J'aime trop ça, c'est juste abusé. Allez, c'était le petit plaisir, c'était le petit cadeau pour Bob avant qu'il aille se coucher. Bobby, passe une bonne soirée, au plaisir. Merci encore d'avoir été avec nous, tonton. Tu sais qu'on te kiffe. Il n'y a pas une histoire de phéromone. Non, phéromone, c'est moi, frère. C'est la transpiration, ça. C'est des dessous de bras, frère. T'inquiète. Tu parles des trucs, là, qu'elle te donne, Harriet. Pas besoin. Pardon. On disait on va se faire un crime prix du sang. On va voir si on a un donneur d'ordre prix du sang pas loin d'ici. Non. Il est où le plus proche? Il est où le plus proche en prix du sang? On va pas aller jusque là. Écoutez, on va aller à Rhodes. On va aller à Rhodes. Regardez, il est encore là, l'ours. Voilà, c'était le petit kiff. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. C'est peut-être un des seuls trucs que j'aurais pas loupé. Il est encore stressé, le pauvre. C'est peut-être un des seuls trucs que j'ai pas loupé dans ce live. Allez, on se bat. Allez, frérot, va. Et c'est là que tu te dis, putain, le feu de camp, là, le portatif avec le voyage rapide, c'est juste magnifique. Alvi, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Inno 2.0, bonsoir à toi. J'espère que vous avez loupé la séquence, le pour un flirt avec toi, avec le grizzly. Merci, Captain. En fait, la technique, c'est quoi? C'est t'approcher jusqu'à ce qu'il te détecte. Vraiment, t'as vraiment cette petite... marge d'erreur de 2 secondes. Dès qu'il se retourne vers toi, avant qu'il t'attaque, dès qu'il te détecte, tu bouges plus. Il va voir son délai de... Tu vois, l'information, elle monte au cerveau. Il va grogner, il va te courir dessus. À ce moment-là, tu bouges déjà plus, tu vois. Griffa, ça te tente? Ouais, pourquoi pas. Mais t'as mis des photos sur Insta, normalement, non? J'ai vu. Ça va, elle a une tête de gentil, ne me dis pas psychopathe, elle a l'air sympa. Elle a l'air d'avoir de la conversation.
Comment on se fait de l'argent rapide, frérot? Tout dépend de ton niveau dans le jeu. Si tu n'as pas de rôle, fais les missions principales. Je pense qu'il va te falloir des golds, donc si tu peux débloquer un premier rôle, prends le chasseur de primes. Second rôle, tu vas prendre le marchand. Je savais. Second rôle, tu vas prendre le marchand. Et dans la foulée, tu prends le distillateur et le naturaliste. Sinon, pour faire de l'argent, à part les rôles, c'est assez compliqué. À part les rôles, c'est assez compliqué, je te dis la vérité. Mais on est dans de l'action pure et dure. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous ma peau dans ce coin. Allez, les copains. Ah. Avec la petite musique. La chanson en live, je t'aurais fumé ton cheval dans la foulée. Alors, vous voyez, le fait de cavaler et tout, là, ce que je fais là, c'est bien sympa parce que ça fonctionne en vérité pour esquiver les balles, etc. Mais j'aime pas cette façon de jouer. En vérité, il n'y a pas mieux que camoufler, sortir. Tu sais que même quand tu sais que tu crains rien, tu vois. Te camoufler, te mettre à couvert, sortir, recharger, courir d'une planque à l'autre. Ce que je faisais, parce que c'est un des premiers jeux qui proposait ça, Red Dead Redemption 1 avec Gears of War. Des trucs où j'abusais, parce que mon délire, c'était même pas de réussir la fusillade, c'était de faire une fusillade stylée, réaliste, tu vois. Et ou sur Red Dead Online, quand t'as fait un peu de PVP, t'as perdu un peu ce genre de réflexe, tu vois. Et donc, attends, allez. Putain, les gars, j'ai une quantité d'alcool de collection de fou, alors que j'ai même pas le rôle de collectionneur. Hein. Ils sont, je sais pas s'il y a eu un délire là ce mois-ci, ils ont augmenté le pourcentage de récupération d'alcool de contrebande. Mais là, juste aujourd'hui, si j'ai pas récupéré 5-6 bouteilles, il y a un problème. Il est où mon pote? Willy, bonne nuit à tous. Willy, passe une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous. Je salue Clément Martins qui prend ta place. Hein. Je vous ai fait un petit échange conventionnel. En tout cas, passe une bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Il y a un nouveau rôle? Non, il n'y a pas de nouveau rôle. Et en fait, c'est l'intitulé. J'ai l'impression que mon intitulé est un problème. Attendez. Mon intitulé, c'est quoi? C'est... Attendez, je vais checker, parce que peut-être que j'ai mal écrit, mais normalement, j'ai bien écrit. Quel va être le prochain rôle de mon nouveau perso? En fait, ça veut simplement dire, c'est quoi le prochain rôle que je vais débloquer avec mon nouveau perso? En fait, non, il n'y a pas de nouveau rôle, pas de nouvelle mise à jour pour le moment. On attend le mois de juillet pour être fixé, même si rien n'est sûr, rien n'est confirmé. Et en attendant, ben, on s'est créé un nouveau personnage avec lequel on redécouvre le jeu et on prend l'air de rien un peu de plaisir à récolter de la ressource, etc. Pour le coup, plein de choses que j'avais oubliées et qu'on se remémore en fait, avec lesquelles on se rafraîchit la mémoire. Ben oui, c'est ça, 180 ans. Moi j'ai... Je me souviens d'à l'époque, déjà à l'époque, je me faisais la remarque sur quand je regardais le premier Robocop. Robocop, il arrive, il en a rien à cirer, lui, il va pas se mettre derrière, lui, c'est pam 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 pam. Que des rafales de 3. Et prend des bastos, il s'en fout. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est Bruce Willis. C'est John McClane quand il arrive, il est obligé de se cacher, frère, il a plus de basket, il a pas de chaussettes, il a les pieds en sang, il est en débardeur, le débardeur, frérot, il est devenu marron foncé au fin, tu vois. C'est ça le kiff, c'est que le mec doit esquiver les balles parce qu'il n'est pas invulnérable, tu vois. Et je veux avoir cette sensation dans le jeu pendant que je contrôle mon personnage, tu vois. On disait quoi, on va aller à... Voilà, à Rhodes. On va à Rhodes. Du fric, joue au jeu. De l'or, joue au jeu. De l'intelligence, joue pas trop au jeu. Ta race. Là, pour le coup, là, je suis sur Play. Là, je suis sur Play. Si je dois jouer à Red Dead sur PC, ce sera Red Dead Redemption 2. Tu vois. Donc, nous, on disait, on va aller voir... ah oui, on va aller voir lui.
Donc tu vois, toujours sur la version PS4. Genre comme s'il y avait une autre version, tu vois. Version PS4. Mais bien évidemment, version PS4, enfoiré. Éventuellement, dis que tu jouais sur la PS5. Je sais pas ce que j'ai raconté. C'est dans Robocop 2, ça. Au début de Robocop 2, ouais, mais c'était trop facile dans Robocop 2. En fait, quand on arrive à t'es un petit gamin et tu te poses des questions sur la cohérence de ce que tu es en train de regarder, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est lesquels les contrats qui. Truc. Ah, j'ai déjà fait. Bon, je vais faire la partie 2, hein. On avait commencé la dernière fois. C'est un mi-Robocop. Bruce Willis t'a dit. Il vient de Tunis, lui. Bruce Willis. Bruce Willis. C'est le micro, enfoiré. C'est Tromboca. Alors, c'est quoi Pawn Bike? Ben, j'ai dû prendre le marchand parce que je peux pas débloquer le rôle de distillateur tant que je n'ai pas le rôle de marchand. Donc, la condition, c'est soit arriver au rang 5 de marchand, soit effectuer une livraison de marchand. Et bien évidemment, avoir l'or nécessaire pour débloquer le nouveau rôle. Donc, le prochain rôle, ça va être le distillateur. Je pense. Et le quatrième, ce sera derrière le naturaliste, avant le collectionneur. Et le dernier, ça va être le chasseur de primes. L'extension de chasseur de primes, j'ai zappé maintenant. Ah putain. Prestigieux, pardon. Je t'ai ajouté sur PS4, Ghost, 24 000, 24, 68, 10, ça marche. Clément Martin, il est laissé à l'abandon. Il est laissé à l'abandon, il n'est pas totalement laissé à l'abandon, mais maintenant, si on jette un petit coup d'œil rapide sur l'année qui vient de s'écouler autour de Red Dead Online, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Tu vois, pour le coup, donc, ouais, il a l'abandon. Il n'est pas abandonné, mais actuellement, il a l'abandon. C'est la nuance, tu vois. Alors. Je vais aller à Butcher Creek. C'est qui me parlait de Butcher Creek en plus? Oui, ouais, à ce qui paraît, c'est pas la folie. Alors, PS4 Pro, un peu moins, il semblerait. Parce que c'était compliqué. J'ai échangé mon ancienne PS4 Pro, je l'ai donnée à mon frère, j'ai récupéré sa PS4 d'origine, je l'ai ramenée en Algérie, je l'ai offerte à un de mes cousins qui cherchait une console pour le coup. Et il faisait déjà chaud, moi, à l'époque où j'y étais. C'était un bordel, en fait, le truc. Il me dit, c'est normal. Je dis, non, non, c'est Red Dead. Il y a un bond de capital. Il est où, le bond de capital qu'il y a dans le coin? Je sais plus. Tu me diras, on s'en fout, en fait. Ah, il est sur le toit. Il n'y a pas un bond de capital sur le toit? Attendez que le membre de la bande arrive, ok. Ah, mais c'est pour ça que... Ok. Attendez. On va se calmer. Voilà. Mince. Ah. C'est quoi? Je parle... Non, mais... Pardon. Je parle, mais je fais pas ce que je dis. Tu vois? Je parle, mais je fais pas ce que je dis. Non, on a dit qu'on allait jouer un peu réaliste. Pourquoi tu cavales comme un mouflon, frérot? Camoufle-toi. Parce qu'après, tu prends des balles perdues et t'es pas content. Meurtre? Après, j'ai tué qui, meurtre? Meurtre de quoi, frérot? Chez toi. C'est beaucoup plus stylé comme ça. Oh. Mais meurtre de quoi? Mais meurtre de qui? Je suis en train de fumer des criminels. Sérieux? Non, mais arrêtez vos putains de conneries. Ah.
C'est ça la mission? J'ai pas, les gars, vous me croyez? J'ai pas compris ce que je faisais. Je n'ai pas réussi la mission, on est d'accord. Ah. J'étais là, que flingué déjà. Ah non. Oh, pardon. T'as bien fait de commencer, chasseur de primes. Ouais, faut manger sur la play. Mais après, regardez. Ça, c'est pas le, c'est pas mon bon profil. Ça, c'est le profil, c'est mon profil secondaire pour, que j'ai installé pour pouvoir avoir un second personnage. Sinon, j'aurais dû effacer John Kazman. Mais sur le profil d'origine, ouais, faut m'ajouter avec plaisir. Si en juillet à rien, le jeu est, bah, il aura plus le choix que d'être finito parce qu'avec toutes les sorties qu'il y a en 2022. Voilà, pour te maintenir, frérot, faut un minimum. Et là, le minimum, on en est loin. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est quoi, on va retourner ici. Ah, je suis bon qu'à chasser des animaux, moi. Laissez-moi tranquille. Ne me parlez pas de violence, ne parlez pas de violence. Ah là là. Alors, nous disions. Sur l'avancée de la maison au niveau du toit pour le coffre. Ah, il y avait vraiment un truc en fait. Smoker, pardon, je t'ai pas vu arriver. Bonsoir à toi, désolé, j'ai pas fait gaffe. Merci d'être avec nous, frérot. J'espère que t'as passé une bonne journée. Vous êtes dur, Tech2. On dit qu'il laissait les serveurs ouverts. Ah là là. Leur tête de faciès. Pas de clim, mon PC fait office de chauffage. Tu m'étonnes, frérot. En hiver, ça va. En été, c'est un autre délire. Florim, Ajda, ouais, mais j'étais ailleurs. C'est un truc de fou comme j'ai pas suivi ce qu'il fallait faire. Moi, je croyais qu'il fallait tous les buter. je la referai à l'occasion. C'est triste, je croise les doigts pour qu'il y ait... Ben, j'aimerais qu'il y ait un truc en juillet, vraiment. C'est même pas... J'aimerais, c'est même pas on espère... Personne n'a besoin d'aide. Mais... Venez ici les consanguins là. Pourquoi t'as eu peur? Tu m'avais arrivé. Là mais j'ai vu, tu t'es défendu frérot. Non, non, tu t'es défendu, j'aime bien. À Saint-Denis? Quoi? Du capitalet. C'est quoi, on va le grimper, on va faire ce qu'on a à faire. Si on passe par Saint-Denis, on te dépose, sinon tu descendras plus tôt, hein, que tu veux que je te dise. Voilà. Ah, pas pour herbivore, je sais plus quand foutre de ces merdes. C'est que le printemps. Non, mais n'écoutez pas Looping, il se moque lui, parce que ça fait longtemps qu'il joue plus au jeu aussi. Et il a compris que. Donc, on est d'accord, pas de carte au trésor. Hein. Ah, j'ai débloqué des trucs. Ah, tonique spéciale. Ça, je vais pouvoir les débloquer. Schéma et sacoche. Sacoche fortifiant, sacoche nécessaire. Ok. Lettre, donc on a la lettre de Crypt. La lettre de M. Invitation à parler d'une opportunité unique. C'est quoi, on va faire ça après? Si ça sort de prime, ok. Allez, on est reparti. Rôle de rancher, ben oui, s'il te plaît. Mais moi, quand je dis. Moi, en fait, quand je dis rancher, c'est pas forcément le mec qui travaille au ranch, parce que ça, le problème. On serait pas super nombreux à apprécier ce truc. Et un DLC uniquement axé sur ce truc-là, ce serait pas super amusant. Faudrait que ce soit au milieu d'un autre truc. Gestion avec du farm, etc. Alors, j'imagine qu'on pense tous à ça. Mais moi, le truc où je comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été fait depuis un moment,
Laissez-nous débourrer des putains de chevaux sauvages et les revendre derrière. Les dresser. Tu vois. Ah, je suis en train de boire, les gars. Vas-y, règle-les, À défaut de jouer avec des gens, je joue avec un pote. Mais tire-leur dessus, frère. Ah bah oui, mais t'es pas vif, frérot. Oh, il a envoyé où le bail? Voilà. Je sais pas. De toute façon, on va s'emmerder 10 ans. Est-ce qu'on a des oiseaux? Problème quand t'as des alligators dans le coin, il veut absolument viser les alligators. Les Sims so far west, comme dirait l'autre. Mais ce serait cool, en fait. En vrai, ce serait cool d'avoir ces trucs-là, mais au milieu d'autres trucs du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, quitte à partir dans des délires de gestion, imaginez-vous de la gestion de la gestion d'un commerce avec de la clientèle. Enfin, non, mais ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Là, j'essaie d'improviser, mais... Il y a des trucs qui pourraient être dans ce délire-là en termes de gestion qui seraient bien, qui paraîtraient complets s'ils étaient listés au milieu d'autres activités du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, mais attends. C'est son côté micheton pour les bottes croco. Les Sims. J'ai les Sims 2. Et en fait, j'ai trop envie de... Ah mince. Un alligator de cette taille, normalement, ça devrait être bon. À l'arc, non? Ouais. Vous avez vu le mec? Est-ce que vous avez vu lui, là? Quand j'ai tiré la flèche, il a sursauté. Vous avez capté ou pas? C'est pour ça que ce jeu, il est fou, en fait. C'est ce genre de détails qui font que ce jeu est fou, en fait. Et frérot, tu vas pas me donner des ordres déjà. Malgré tes beaux gosses. Regarde-moi. Arrête de bouger. Je te jure, il est frais le gars, il est bien pessa à tout. Gars, petit gilet, bottes en rux, pantalon propre, ceinture holster. Ma parole, c'est pas n'importe qui le salaud. Même le chapeau les tueurs, c'est un chapeau cutter. Arrête de... Vas-y, tu m'emmerdes. Ah, il est énervé le frérot. Et les Sims, je vous raconte, si seulement il y a moyen. Alors, restez en ligne, je suis là. Juste mon téléphone qui sonne. Allô? Bien, ça va et toi? Ouais, ça dit quoi? Ouais, je suis en... Ouais. Vous m'excusez, je suis là. Là, tu fais quoi? Tu rentres au quartier? Ouais. Écoute, je termine mon live là. Ah, il est minuit déjà. Je termine mon live là. J'ai encore un truc à faire. Je te rappelle, ça marche. Ouais. Je te rappelle. Écoute, je te rappelle. Je termine, je mange un truc et je te rappelle, ça marche. Vas-y, à toute. Bien vu. À toute, ciao. Pardon. Voilà, je reviens. Hop. C'est la première fois que je fais ça. Non, mais ça, c'est quand on est en confiance. Vous m'avez mis en confiance, les mecs.
J'étais curieux de savoir que Rockstar avait normalement prévu au départ Take Two, là, 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 merci Pixies. Diego Lozier, yo, c'est Blooping, yo. Parler de quoi? J'ai zappé, je suis désolé. Ah, je sais plus de quoi en parler maintenant. Mais vise-le! Foiré. Et lui, faut le choper aussi au vol, non? Voilà. En fait, eux, faut les choper. Vous avez vu, avant, j'ai pas été vif, donc je les ai pas eu comme il fallait. Alors, il est en combien, lui? Ça se sent soir embuscade. Plus que tu le penses, frérot. Non, j'ai un pote à moi, je l'ai croisé hier, on a discuté un peu, il m'a dit, oh, tu fais quoi demain? Si vous voulez, on prend l'air comme il fait chaud, on se voit le soir, tu vois. Et je lui ai dit oui, donc là, c'est mon frère qui m'a appelé, qui me dit que le gars a essayé de nous joindre, etc. Exactement, Artem, Artem, c'est quoi Artem? Artem, Artem, Artem. Je sais pas comment ça se prononce. Oui, je vous disais, je vous parlais des Sims. Je vous parlais des Sims, frérot. Tu faisais le pressé à un instant. Les Sims, j'avais un pote à moi, un culture que j'ai rencontré en formation. C'est un bon pote à moi. Et on faisait des soirées le week-end, on allait, on faisait soir entre potes, etc. Et tout, on picolait un peu. Et voilà, fan de jeux vidéo, déjà comme moi à l'époque, tu vois. Je parle d'une histoire, elle doit avoir. Doit avoir 15 ans, je crois. Et en fait c'était l'année où les Sims 2 est sorti. Et en fait, un jour, on est chez lui, il me dit, ouais, j'ai un jeu sur le PC. Moi, j'avais pas de PC, moi. Dans ma famille, ça n'existe pas un PC, surtout pas PC de qualité, tu vois. Et il me dit, ouais, j'ai craqué un jeu sur PC, c'est un jeu de ouf. Et il me dit, ouais, les Sims 2, je dis, c'est quoi le délire? Il me fait le pitch. En fait, on est posé chez lui, soirée, d'habitude, on écoute de la musique, on est là. On se pose dans la chambre, il crée une nouvelle partie sur les Sims 2, on est en train de picoler les deux. Et tu veux quoi? Tu veux quoi dans ta famille? Je dis, je veux moi, frérot, dans la famille. Et il me dit, tu veux quoi comme voisine? Il me dit, je te fais les sœurs Halliwell en voisine. Je dis, ah, j'ai fait des trucs simples, ce qui vient, frère. Bref, on passe notre soirée à faire ça. Vous êtes sérieux, vous? Il s'est fait buter! Il s'est fait buter, le gars, le cochon! Je voulais anticiper le mouvement. Ah, ça va pas. Et bref, c'était une de ces bonnes soirées. J'ai plus jamais rejoué à ce jeu chez lui, rien, mais le délire qu'on s'est fait avec les Sims 2, en plus, tu sais, je dis en mode teinté, tu vois, je veux dire, tu fais des trucs de. T'es pas logique dans ta gestion du perso, tu vois. C'était juste magnifique. En plus, il avait tous les modes de l'époque. Ah, bon, ils n'avaient pas encore sorti les DLC, etc. Mais c'était kiffant, je garde de bons souvenirs. Et j'ai toujours voulu relancer ce jeu-là, parce que je joue pas aux Sims, moi. Mais j'ai toujours voulu le relancer, histoire de me refaire un kiff, de voir si je pouvais retrouver ces sensations-là, tu vois. En vérité. Je vais prendre lui, je pense que ça va être. Alors, tant qu'il est arrivé, tu tentes de parler des Sims 2. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Vivement Red Dead 3. Juliette Le Pogam, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait rejoint. Non, c'est bon. C'est remonté. Non, c'est un kiff. Là, encore une fois, et là, ce qui est drôle, c'est qu'on parle vraiment d'un type de jeu qui n'est pas le mien. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ça fait partie d'un souvenir. En fait, moi, je n'ai pas kiffé le fait de jouer au jeu. J'ai kiffé cette soirée où on a joué au jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la nuance du truc. Alors, fin tireur, juste regarder si j'ai pas des. Bah, voilà, lui, je l'ai vu passer. Donc, on va réinitialiser. Pourquoi? Pour qu'on puisse repartir directement avec les prochains kills sur la prochaine boucle. J'ai quoi là? Ah, 50 et demi. Bon, avec la même arme. Laissez-nous réactiver, c'est pas bien. On va faire un tour rapidement. Venom Gaming, bonsoir à toi frérot, merci d'être avec nous. J'espère que t'as passé une bonne journée. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est cool. La classe. Et ah, Tom Marijuana que j'ai pas vu arriver. Bonsoir à toi. Salutations. J'espère que vous avez passé là, vous rentrez les minuit, je pense que vous avez passé une bonne journée. Moi, je vois du resto, je vois de l'apéro, là, vous êtes yam. Alors je check rapidement.
C'est ça. Mais après, il y a souvent ce débat qui revient, plus soirée appart, plus soirée en boîte. Moi, clairement, je suis plus soirée appart. Alors, dans le temps, t'aimais bien parce que t'avais faim, t'étais un dalleux, tu voulais bloquer des meufs, tu voulais déjà. Notre mentalité. Donc, t'y allais pour une bonne raison. Mais avec l'âge, tu passes 2 heures à dès que tu veux parler avec ton pote, la moindre phrase, tu lui cries à l'oreille. Ouais, je te disais que. Quoi? Tu vas. Je t'ai dit que ouais, au boulot. Et lui, il répond en criant. Tu dis, ah, oh, c'est pas viable, frérot. Non, non, soirée à part. Si la musique, elle est trop forte, on baisse la musique. Si t'aimes bien cette musique, hop, on monte le son, le temps de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui règle ton rythme au niveau de la soirée, tu vois? Bonne soirée à tous. Bye, merci pour la vidéo. Avec plaisir, Clément, je te souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end. En espérant que tu puisses te reposer. À bientôt, je l'espère. Tortue en tupane. Alors, c'est clair, un souvenir dans la chambre des potes où fallait pas parler trop fort, pas que les parents pètent un câble, ouais, tu vois. Les premiers bédos, les premières anecdotes là que tu racontes à tes potes, t'étais tout fier. Ouais, j'avais rendez-vous, j'ai fait ci, tiens. Bon délire. Quand j'étais petite, je jouais avec mon père à Need for Speed, Far Cry 2, de jeux. Je ne pourrais plus y rejouer, juste pour garder le souvenir. Oui, je vais se dire, mais toi, tu veux préserver le souvenir intact. Parce que souvent, quand on reprend une ancienne expérience, eh ben, généralement, le cerveau, avec la nostalgie, il a enjolivé un peu les sensations, les sentiments. Et quand tu reviens, tu te rends compte que c'est pas exactement comme tu l'avais en tête. Et je suis gentil quand je dis pas exactement. Donc ouais, je peux comprendre. Après, ça, c'est plus de la nostalgie familiale. Alors, je suis pas dans ta vie. Mais je pense comprendre un peu le délire. Mais oh, le nombre d'événements aléatoires, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, les frères? Qu'est-ce qu'il y a, les frères? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire le plein là aujourd'hui. Viens. Voilà. Il y en a d'autres qui vont arriver. Venom, non, je joue sur PS5, donc sur la version PS4. Regarde, hein, je vais dépecer le bazar. Je vais me retrouver avec une équipe sur le dos. Mais de toute façon, j'ai. Ah, mais ouais, je vais récupérer des dents, genre. Non, non, c'est même pas que je suis en session, il n'y a pas trop de monde. Je suis en session où il n'y a personne. Ah oui, non, mais c'est vrai que je. Enfin, si, je l'ai précisé, mais j'oublie qu'on n'est pas forcément. Je suis tout seul. Eh, looping! Hé, looping, mon vieux! Il n'y a personne sur ma session. Je suis en session privée. Enfin, session privée, vous avez compris. C'est ce qui explique que je joue tranquillement, tu vois. C'est pour ça que même dans les let's play, vous voyez que j'ai toujours plein d'événements aléatoires, plein de trucs à faire, tout ça. Normalement, on n'est pas censé se retrouver avec une vague d'alligators qui nous pourchassent. Ah, on se bat. Alors. Pas moi de. Qu'est-ce que je fais? Je lâche mes. Je veux pas lâcher mon alligator. Vas-y, casse-toi. On y va doucement. C'est dire. Bonsoir à toi, frérot. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Moi, faut me dire sur PC, ça fait bizarre. Ouais. Après, PC, voilà. C'est. Bah, j'allais dire une autre qualité. Elle est pas belle, cette image. Il a la cote de ouf, ce Francis. 34 degrés à minuit, tu m'étonnes.
Jamais eu cet événement, tu me dis l'histoire. Si, après, faut traîner dans le coin, mais c'est un des événements que tu croises beaucoup dans le coin. Travaille le cardio, madame. Quel gentleman ce casu, là. Eh, écoute, moi je suis pour l'égalité. Je pense que ça va lui faire du bien. Elle est où? Ouais, là. Apparemment, elle cavale, elle est bien. On va voir si elle tient le rythme. Je sais pas si vous avez capté ceux qui ont RTL9. Ils ont remis les Rocky. Je suis tombé sur Rocky 3, les gars. Je suis tombé sur Rocky 3 là il y a quelques jours. Clubber Lang, mais c'est un des meilleurs ennemis que j'ai vu dans un film. C'est un malade. Eh non, je la prépare pour le cross. Pour l'épreuve du bip. Ouais, je disais, Rocky 3, Clubber Lang, c'est juste un malade. Apollo Creed, il vient lui serrer la main. Casse-toi, tu pues la défaite, j'ai pas besoin de toi dans mon corps. Dégage. Et arrête de me regarder comme ça, je te pète la gueule. C'est ouf, Clubber Lang. Elle est où? Ça? Le courrier? Allez, on n'a pas fini. Allez, on continue. C'est dans le 4. Mais non, mais le meilleur, les gars. Même moi, je disais Ivan Drago et tout, j'ai dans mes souvenirs, il faisait peur, tu vois, il est énervé, Ivan Drago. Le meilleur, c'est Clubber Lang, les gars. C'est Clubber, c'est un O. Alors, je vous invite, maintenant ou quand vous aurez le temps, je vous invite à aller sur YouTube, vous mettez Clubber Lang. Normalement, il n'y a qu'un Clubber Lang, tu n'as même pas besoin de mettre Rocky 3. Meilleure réplique. Cette vidéo, elle dure 6-8 minutes. Tu vas avoir un enchaînement. De... Ah, moi je parle la VF, hein, la VF, la classique, j'ai vu quand j'étais petit. Un psychopathe, il est tué. Oh, c'est-à-dire des plans, il est même pas dans le plan, tu vois, Rocky, Apollo. Je sais pas quoi, j'ai pété la gueule. T'es rincé, écrit, il a dit. J'aime trop ces trucs-là. Ah non. Ah, faut voir ça. Rien à voir, mais ils ont passé Reservoir Dogs sur Arte. Ben oui. Sur Arte carrément, tu vois. Alors on va partir sur. J'ai pas de. J'ai rien. Ah, j'ai cacahuètes. Dans les lacs. On va essayer. Oui, bah après, on n'est pas à faire la concurrence, mais je te dis, en termes de personnage, de. T'as le mec, il est là. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Il s'est pas pêché, lui. Frérot. Qu'est-ce que t'as à faire? Les huis clos, ouais, de toute façon, les Tarantino en général, mais en mode huis clos, même les huit salopards, c'est ça? Les huit salopards, elle était tueur. J'ai kiffé dans la baraque et tout. Tu penses quoi de l'affaire Johnny Depp? Alors, j'ai cru voir quelqu'un arriver. Chala Chaska, bonsoir à toi en passant, parce que j'ai pas vu de commentaire avant. Hervé D'Angelo. J'en pense que moi, dès le départ, je l'ai jamais senti Amber Heard, mais ça. En fait. Faut rester dans la nuance où jamais personne n'a totalement tort ou totalement raison. Tu vois, ils ont leur tort partagé. Lui, c'est un camé fini. Hein. C'est pas Johnny Depp de 21 James Street, frérot. Don't wanna, on connaît. C'est voilà, je dirais, c'est plus ce qu'il était. C'est un bousier, c'est un alcoolo, c'est un schmaqué. Mais elle, ça se voit, c'est une vicelarde. Elle, ça se voit, c'est une vicelarde aussi, tu vois, donc pour le coup. Griffa, Gigo, Daniel. Bonsoir à toi, Griffa. On se croit sur Insta, ça marche. Bon week-end à toi. Et Ilan Etienne, bonsoir à toi, merci. J'aime bien, vous faites des remplacements, tu vois. Et Charles Chaska, ouais, j'ai pas dû faire attention. Je devais être en train de me faire tirer dessus. Donc voilà. Faut surtout comprendre comment ça marche aux US. Écoutez, je suis tombé sur un article, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais une meuf, elle a couché avec un mec, c'était pas son mec, c'était pas son mari, elle a couché avec un mec dans une voiture qui avait une MST. Le mec lui a transmis pendant le rapport dans la voiture, elle s'en est rendue compte quelques temps après, elle a poursuivi l'assurance de la voiture, je sais pas si c'était sa voiture ou la voiture du gars, elle a pas poursuivi le gars, hein. Elle a poursuivi l'assurance, elle a gratté 5 millions de dollars. On lui a donné raison. Elle a réclamé 5, enfin, lui a donné 5 millions de dollars en portant plainte, en attaquant l'assurance, tu vois, c'est-à-dire l'assurance de la voiture. Truc de ouf. Bref. Le beau geste. Scène quand le major Marquis explique sa rencontre avec le fils du général est épique. Dans quoi vous parlez de quoi? Le major Marquis?
C'est dans quoi ça? Dans les 8 salopards? C'est un avocat pour... Ah ouais, exactement, ta marijuana. Ah, je sais pas. Ah. C'est l'historien, ça. C'est les phases de l'historien. Ah là là, mon ami, mon ami. Hop. Alors, je disais... Ah oui, dans Hateful Eight, ouais. Oh, quand il lui met le coup de crosse à la meuf, je dis, ah, c'est une meuf, ils vont y aller mollo. Il lui pète cash dedans. Ah, c'est un chien. On n'était donc pas d'avis. En tout cas, écoutez, moi, je vais devoir y aller parce que... Ouais, parce qu'il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il était en bas. Ok. Je vais devoir y aller. J'ai passé un excellent moment encore avec vous. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Alors, moi, je suis plus Scarface. L'Impasse, c'est un très, très grand film. Je suis plus Scarface. Voilà. Bah, pour moi, c'était une référence, Tony Montana, à l'époque. Je dis la vérité, on était des sales gosses à l'époque. Ouais. En tout cas, je vous disais, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé et même à ceux qui n'ont pas participé. J'espère vous retrouver très très vite, évidemment, dans de bonnes conditions. Hop, je vais faire ça, je vais le mettre ici. Voilà. Dans de bonnes conditions. Reposez-vous bien, faites attention à vous si vous sortez. Je tâcherai de faire attention à moi, évidemment. Et demain, je pense que je sortirai une petite vidéo, une autre découverte, comme j'ai sorti ce soir, sur le meilleur Assassin's Creed. Selon ce que j'en ai entendu, on verra ça demain. En tout cas, bonne soirée encore une fois à vous. Merci encore une fois à vous. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits.